Betsy is alone! Betsy has to defend! She was really disappointing, close to last match to Elements. Elements are taking down the Nexus! It's more frustrating to not play playoff matches than playing relegation. The convincing ending over Gambit. Everyone was like expecting Dignitas to maybe 3-0 us. Now is the time to engage from Mal's one last chance. It's the second chance and it's like so close again and we can really make it now. If we win the first game, we'll easily win the series. And this is the final push. Mal's put up the fight of their lives. Yeah, I have no fear against Mal's. Welcome back to the 2016 Spring. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième BO5 EU Promotion Eli. Gambit contre Mouse Esport, le petit sujet qui vous a été présenté, c'est donc le deuxième match après que les SK aient perdu leur place en LCS. C'est la révolution un peu, Eli. C'est ça, effectivement. Bah, des SK qui se sont battus, qui nous ont fait une presque Cloud9, seulement presque, c'était sans compter le Lee Sin de Kikiz, le superbe Thresh de Hybrid et bien sûr l'Orianna de Perks. Là, du coup, Gambit contre Mouse Esport, ça va être intéressant de voir bah, justement les petits poulains de Shones essayer d'évoluer contre les outsiders, tout simplement. Oui, je pense que tu as très bien résumé le match. Effectivement, ils partent vraiment, vraiment outsiders, les Mouse Esport. Je me souviens de leur grande finale contre les... qui avait joué ? Ah, c'était contre les Dignitas EU. Dignitas EU, je crois. J'ai un doute. C'est horrible. Je suis désolé, je viens de me réveiller. C'était ça, ouais. C'est ça en grande finale. Et bon, on avait eu le droit à un BO très mou. Pour être totalement honnête, Mouse Esport ne m'avait pas vraiment impressionné. Parfois, il y avait de bonnes choses qui en ressortaient, mais mon avis en général était que l'équipe était assez, assez moyenne, on va dire. En tout cas, sincèrement, je n'avais pas l'impression qu'il y avait le niveau pour aller en LCSE, Eli. Après, voilà, il y a eu un petit temps quand même. Enfin, il y a eu du temps qui est passé. On va voir ce que Mouse Esport est capable de faire sur les derniers patchs, notamment. Avec tout ce qui est pick Gangplank et autres, le genre de choses qui peut un peu changer le cours d'un match, hein, Eli. Ouais, Gangplank, on l'a vu en fait sur les games 3 et 4 sur le BO précédent. En fait, juste la présence du Gangplank, juste un baril positionné correctement et en fait, ton late game est assuré tout simplement. Et c'est chiant hein, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment des Gangplanks qui sont pas incroyables et. Celui de Freddy par exemple. Et honnêtement, ça m'ennuie de voir des GP qui sont nuls et qui arrivent quand même à carry le late game sur un tonneau. Je trouve pas ça normal. Le champion, voilà, on le sait, de toute façon, sur le 5.15... Il est super complet, en fait. Sur le 5.16 aussi. Il a été nerf un peu quand même sur 5.17. Est-ce que c'est suffisant? C'est 10% de pénétration d'armure en moins. Et il y a le petit trick sur les barils qui mettent un peu plus de temps. Ça va être gênant par contre, pour éviter de faire des gros combos. Ça peut être embêtant, il faut voir hein, l'état du champion sur 5.17. Dans tous les cas, voilà. Aujourd'hui, là, c'est super important en Gangplank, parce qu'il n'y a pas eu ces petites modifications des 5.17. Donc le pick est juste super fort. Voilà, et en général, surtout les derniers gros BO, en fait, Ellie, c'est quasiment, ça joue dessus, c'est quasiment un enjeu à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que la draft tourne énormément autour de lui. Les Gambits, alors, les Gambits, Cabochard, Diamond Prox, Betsy, Pinoy, Gozu Pepper. Pinoy, eh bien oui, le comeback aux racines du Spring Split. Pinoy est revenu du côté de ses Gambits. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu la fameuse affaire Forgiven. Forgiven ban pour attitude toxique en solo queue. Et Forgiven, en fait, a encore 2 matchs de suspension à purger en LCS EU avant de pouvoir réapparaître dans une équipe. Gambit, il jouait un BO5. Sean nous l'avait expliqué, on va pas travailler à moitié avec un ADC, puis après avec Forgiven et faire un swap pendant le BO, même si on pourrait. Techniquement, les règles de Riot autorisent ce genre de swap en cours de BO avec un remplaçant. Mais il nous avait dit, Sean, non, en fait, on va pas faire ça. On va travailler tout notre BO avec un carry AD. Et Pinoy a été choisi en sachant, Eli, que c'était quand même un joueur qui avait eu des difficultés relationnelles, notamment avec Gozu Pepper. Ouais. Il y avait eu anciennement Edward, du coup, à cette époque-là, il s'appelait Edward.
Alors, est-ce que ça a été réglé? Ils avaient quand même de gros soucis. En gros, c'était soit la structure Gambit gardait l'historique Edward Gozzi Pepper qui, grosso modo, choisissait un carriadé de son cru, soit il gardait Pinoy qui choisissait un support de son choix. Le choix s'est assez naturellement porté sur Gozzi Pepper. On va voir. Là, les deux joueurs, ils vont devoir travailler de concert pour essayer de faire rester leur équipe en LCSEU. Honnêtement, sur le papier, je mets 3-0. 3-0 en faveur de Gambit ? Je mets 3-0 en faveur de Gambit. Malgré les petits divergences d'opinion. Regarde la différence de Ward placé par minute. Ah, c'est impressionnant. Ah non, mais là, quand même, là, c'est limite choquant. C'est... Oui. Bah 50, 0,50 en fait. Ouais. C'est-à-dire que toutes les deux minutes, en fait, Daemon Prox pose une ward de plus. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'avancée dans la jungle de l'équipe adverse, ou tout simplement en termes de retraite, il est deux fois moins efficace. Alors peut-être qu'il va compenser le jungler d'Ava aussi, sport à part des mécaniques, par une vision de jeu accrue. Mais c'est vrai que sur le papier, ça fait peur. Dan, je l'ai vu sur ça avec ça. Il est plutôt intéressant, mais voilà, enfin dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est pas fou, quoi. Dans l'absolu, c'est pas un des meilleurs junglers d'Europe. Il peut être aggro. Saraxa, honnêtement, est forte. Saraxa est forte. Pour le reste, je connais assez peu. Mais c'est bien qu'on découvre comme ça. Qu'on découvre des futurs talents de la scène européenne. Mousy Sport, j'ai envie de dire... Je peux pas dire qu'ils ont rien à perdre, parce qu'ils sont quand même arrivés jusque-là. Ouais. Et que le prochain passage après en LCSEU, c'est dans 6 mois. Ça va être long à attendre. Donc c'est compliqué. Quand t'es joueur pro, te dire d'accord, là maintenant, j'ai bûché pendant toute la saison, je dois de nouveau attendre 6 mois pour avoir une chance éventuellement de rentrer en LCSEU. C'est dur, donc on va pas dire qu'ils partent avec l'optique de ne rien à perdre. Non, ils ont quand même des choses à perdre, les Mousy Sport, mais ils ont énormément à gagner. Et il faut voir quelle va être aussi leur attitude face à un match de cet enjeu. C'est la première fois que tous ces joueurs ont un match aussi important, avec la grande finale quand même qu'ils avaient joué contre Dignitas CU, qui permettait également d'aller en LCS directement. Mais du coup, c'est vrai que là, moi, ils ne m'avaient pas impressionné la dernière fois, ils avaient joué très passif. J'avais trouvé leur fond de jeu vraiment très limité. Et on va voir ce qu'on pourra faire contre les Gambits. Les Gambits avec, pour moi, leur joueur clé, Ailey, la caboche. La caboche. Cabochard. La caboche. Sur la top lane, on va voir ce que ça va donner. Cabochard qui, honnêtement, déjà, on le voit pendant le split régulier, qui a tendance à martyriser peu importe qui il a en face de lui au niveau de la top lane. Alors là, quand tu tombes sur des joueurs d'un niveau Challenger Series, tout simplement, c'est vrai que le top, ça va être un petit peu une espèce d'autoroute. La moissonneuse bateau de Cabochard qui va se mettre en marche. Je vois. Honnêtement, je pense que c'est impossible que les Mousy Sport, ou alors inconscience. Ouais. Mais laisser par exemple GP, tu vois, un joueur comme Cabochard qui avait osé sortir son GP, est-ce que tu te souviens, alors qu'il n'y avait pas encore eu le reward. C'est vrai, c'est vrai. Son fameux GP sans flash. Il l'avait fait. Il s'était fait full dive, on se souvient de ce fameux TP. On s'était marré avec Shones, on en avait reparlé. Et puis bon, alors je dois avouer, j'ai une petite préférence pour Gambit parce que bon, il y a Shonzi là-bas. Voilà, un classique. Les copains. Yo Fomp. Tout à fait, mais je suis assez curieux de voir ce que peuvent proposer cette équipe de Challenger Series, les Mousy Sport, parce qu'après tout, même si je pense que les Gambits sont supérieurs, c'est bien que le top niveau se fasse un peu remuer. Puis on a déjà du changement là, avec deux nouvelles équipes, donc Dignitas CU et les Gamers 2 qui arrivent en LCS. Voyons voir si les Gambits peuvent tenir leur rang, sachant que statistiquement, je vous en avais déjà parlé, mais Gambit est une équipe en fait qui ne mérite pas cette 8e place en LCSEU. C'est-à-dire que j'ai lu pas mal d'articles, statistiques et autres sur Gambit. Et il faut savoir que sur une saison, sur un échantillon de game plus grand, donc imaginons une saison régulière avec un nombre de matchs identique à celui des équipes LPL, Gambit aurait sans doute été dans le top 3 européen. Ah ouais. Statistiquement. Après, on fait dire tout ce qu'on veut à des statistiques, mais il faut reconnaître quand même que c'est assez... C'est assez criant parce que, par exemple, c'est l'équipe qui a le meilleur kill efficiency en Europe. Okay. C'est-à-dire que le kill efficiency, pour ceux qui se demanderaient ce que ça signifie, ça veut tout simplement dire que leur ratio kill et objectif pris est le meilleur des LCS EU.
ils sont au-dessus de 1. Je crois qu'ils sont à 1,01 ou un truc comme ça. C'est-à-dire que d'accord. pour 1 kill pris, ils prennent un objectif. Donc il y a une rentabilisation en fait de toutes les actions qui est énorme. Mais le gros problème des gambits et ce qui est en fait difficilement quantifiable dans League of Legends, parce que là voilà, je vous parlais de statistiques par exemple, ce qui est difficilement quantifiable, c'est tout ce qui est shot call, tilt dans une game. Voilà, ce genre de choses, effectivement, qui est un peu plus dur à saisir, qui peut faire la différence, mais c'est des choses qui se travaillent, bien entendu, et les gambits, on a vu de très bonnes choses qui nous ont été proposées de leur part pendant ces LCSEU. Donc écoute, Ellie, je pense qu'honnêtement, c'est une équipe qui va revenir là pour ce Spring Split. Il faut quand même passer ce BO5, c'est pas fait. Petite statistique qui était intéressante, Gambit, au niveau de la différence de gold, grosso modo, lorsqu'ils perdent des games, c'est une équipe qui perdait très peu de, enfin, qui perdait ses games par une très petite marge, c'est-à-dire qu'ils se faisaient quasiment jamais stomp. Ouais. Ouais, c'est une équipe qui est assez solide de manière générale. Et du coup, et leur game durait longtemps, donc voilà, ça veut dire que en fait, Gambit, ils perdent pas en se faisant défoncer habituellement. C'est une équipe qui a du répondant et certaines choses doivent être réglées, notamment au niveau du decision making. Mais voilà, du coup. J'ai parlé statistiques, je me suis étalé sur le pourquoi du comment Gambit devrait gagner, selon moi. Mais la théorie ne remplacera jamais la pratique, Ellie. C'est ça. Et j'ai envie de voir maintenant ce qui va être proposé entre les deux équipes au niveau de la draft. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai mené mon enquête sur les picks Mouse eSports. Excellent. Bon, honnêtement, ça joue archi méta. Au niveau de la top lane, on peut s'attendre à beaucoup de Ikarim, quelques Fizz qui se baladent par-ci, par-là. Ça va être intéressant, parce que ce soit Ikarim ou Fizz, ça reste des personnages qui sont assez fragiles, mine de rien, en face de lane. Donc, on peut avoir des duels intéressants avec Kavoshar. Au niveau de la jungle, beaucoup de Rek'Sai, tu en parlais, un petit peu de Elise. Un Lee Sin qui se balade éventuellement également, ça peut être intéressant là-dessus. Au niveau de la mid lane, Azir, Victor, Varus, un petit TF, pourquoi pas, peut-être pour être joué. Au niveau du bot, c'est Corki qui domine largement, le duo Corki-Jana qui est énormément joué par la duo lane des Mouse eSports. Donc en gros, voilà, ça va être, en fait, il n'y a pas de pocket pick qui ressort sur la dernière game des Mouse eSports, c'est vraiment une équipe dans les standards LCS qu'on a actuellement. Et je disais à quelqu'un qui parlait du tweet de Forgiven. Qu'est-ce qu'il a dit il est salé apparemment sur son ban. Mince, que je trouve pas. T'es pas abonné à Forgiven sur Twitter Non, mais on peut aller jeter un coup d'œil. Mais je le trouve pas, justement, ça m'inquiète. Ah bah, il est là. Alors. Ok. Justice is balance. Certes, ouais. Quoi de mieux que quand tu es un flamer de répondre par le sel. Ouais, ben faut après il l'a cherché hein, sincèrement. Bah, mais ça. En fait, ce qu'on pourrait reprocher quand même et ce qui a été largement débattu, la sanction en elle-même, je pense qu'il fallait en donner une à Forgiven. Après, c'est le timing qui a dérangé les gens. Beaucoup de personnes ont considéré que la sanction imposée par Riot était très mal choisie au niveau du timing parce que c'était pas quelque chose qui était nouveau, ouais, finalement. Et que ça tombait à un moment où ça pénalisait énormément l'équipe. Après, est-ce que Riot aurait dû le faire après les LCSEU ? Dans ce cas, Forgiven aurait été quand même bad maintenant ou est-ce qu'il se... Bref. Ouais, c'est dur à dire. Après, c'est sûr que c'est dommage de pénaliser une équipe. Mais c'est encore plus dommage, Forgiven, d'être débile par moment. Voilà. C'est ça. Et on est parti, mon cher Chips, dans la phase de pick et ban. Et directement, first ban, Olaf. Contre Diamond Prox, contre Kavoshar peut-être. On vous le rappelle, hein, pour ceux qui viendraient d'arriver, on est sur 5.15, donc le patch des Colosses n'est pas encore passé. Ouf. Ce qui n'empêche pas d'avoir plein de jeux. J'essuie le filet de sueur, que dis-je, le torrent de sueur sur mon front quand tu as parlé de 5.16 et de patch Juggernaut. De Colosse, de Plaque de Mort. Au secours. De Fiora. Après, Fiora, c'est intéressant. Mais c'est vrai que derrière, des Garen et Darius, on regretterait presque le Maokai. Bah, moi, ouais. Moi, ouais. Écoute, bon, on va voir Ellie ce que ça va donner. Du coup, alors, Ban de Olaf, qui est un champion, ben voilà, on le sait, hein, c'est extrêmement intéressant, Olaf. Tu peux faire des Olaf-centriques.
Ban de la Lulu, ban du Shen. Du côté des Gambits, ban du Fizz chez les Mouse Esports. Et Shones, on t'attend pour montrer la voie à ton équipe en phase de draft. Ah, ça va être important. On en parlait avec TechTech, hein, il y a vraiment un avant Shones et un après Shones au niveau des Gambits, au niveau de la gestion de l'équipe, au niveau des drafts. C'est plus solide, il apporte pas mal le petit Frenchie. Alors Daya, au niveau des bans Gambits, Lulu Shen contre Bensu, contre Mountain éventuellement. Alors on évite les possibilités d'AD centric à côté Gambit Gaming. Sur quoi est-ce qu'ils veulent partir là-dessus? En dernier ban, est-ce qu'ils vont ban GP les Gambits ou est-ce qu'ils vont laisser open? Ils ban Mao. Le Disco Nunu. Je sais pas si tu as été confronté, Chips, à cette tendance du quai, le Disco Nunu. Non, c'est quoi? Bah c'est un Nunu comme ça, qui part clarté, purge, et qui en fait il suicide et qui claque tout en même temps. Et ça fait une boule disco en fait, et le mec feed. T'as jamais rencontré ça? Non, j'ai de la chance, imagine. Ouais, oui, clairement, ouais. C'est une nouvelle mode? Bah mec, moi ça m'est arrivé sur mon BO pour passer D4. Boum, okay. Dernière game, Disco Nunu, 0-5 en 2 minutes de jeu. T'es content. Ouais. C'est une forme de troll artistique en fait. Ok, ouais. D'accord, bah écoute, non, je connaissais pas. Très bien. Alors, donc le GP, on en parlait. Honnêtement, je pense que Mouse Esports était obligé de choisir le champion. Ouais. Ils n'avaient pas le choix parce que Kabochar se serait jeté dessus, à mon avis. Donc, que ce soit Binsu ou Jinx, on va voir ce qu'ils vont nous proposer sur ce pic. C'est pas on qui nous a sorti dernièrement un excellent GP mid. On se souvient tous de ses barils dans la rivière sur le dragon. Alors, excellent, je sais pas. Mais. Ah, il a mis le baril de la game. Enfin, les barils de la game. Parce que, honnêtement, déjà, un baril bien positionné, ça fait le taf. Mais lui, il en a mis 3 en même temps sur l'équipe adverse. Enfin, il touche 4 personnes. Ouais, je suis d'accord. Et je me souviens, mais genre, c'est son seul move de la game. Ouais, c'est ça. Parce que sur le reste, il faisait des trucs, je regardais. Mais comme beaucoup de GP Chips. Bah, non, Soaz et Gang by Mom, pour moi, sont deux joueurs qui, genre, culminent vraiment au niveau, au niveau de leur utilisation du GP. Donc, les Mouse Esports qui ont sécurisé ce GP, et la Kalista est open, la Kalista est pique par Pinoy. Attention, Gambit avec une Elise également. Est-ce que Shonzi nous aurait concocté une petite draft agressive là, pour essayer d'aller prendre à la gorge ces Mouse Esports? Ce qui expliquerait d'ailleurs les bans au niveau des tanks et de la Lulu d'ailleurs, côté Gambit. Ça peut être pas mal, hein. On sait que Betsy excelle sur les assassins. On peut derrière encore se garder la possibilité d'un Thresh pour Gozu Pepper. On sait, hein, le duo Kalista Thresh extrêmement dominateur au niveau de la phase de lane. Une hélice derrière pour le rappel, pour la grosse capacité de dive. Sachant que dans la composition d'équipe adverse, pour le moment, à part la Rek'Sai, c'est relativement fragile comme pick. Et surtout quand tu affiches du burst potentiel comme ça pour Betsy. Un Victor qui est préparé dans cette phase de draft. Alors Victor, TF, le TF, ça me plaît. Là je suis fan, effectivement, un petit TF pour aller mettre au fond le Gangplank. Là les Gambits, s'ils lockent le TF, ils ont beaucoup d'armes pour ce mid-game et cet early. Victor et le Thresh de Gozu Pepper donc. Thresh Kalista, la duo lane qui peut être aggro tout en étant tout le temps safe à partir du niveau 6 de la Kalista. Un peu la grande force de cette draft. Hein. Là, les Gambits, ils ont 1000 moyens de temporiser dans leur draft entre Kalista, Thresh, Elise. Ils vont pouvoir éventuellement tenter des moves ballsy, Ellie, tout en gardant une soupape de sécurité au niveau de leur action. Ouais, c'est pas faux. Après, derrière, le pick Victor, je suis pas si fan que ça quand il y a un Kennen en face, en fait. Tout simplement parce que bah, Victor, c'est midrange. L'ulti Kennen peut vraiment l'handicaper. Sachant qu'on n'a pas de civière pour essayer de booster en vitesse de déplacement. Mais ma question, c'est Kennen supporte ou un autre poste? Parce que Kennen supporte, honnêtement, il va pas build de Zonia. Et ouais, tu peux rush, mais le Victor, il va te faire ta gueule. Rayon cul, bra. Tu sais, le Kennen qui fait. Quand il est en sur le qui. Non, tais-toi. Reste ici. Non, effectivement, c'est possible. C'est ça, Kennen supporte. Kennen supporte. C'est possible. C'est possible, du coup, un Malphite top, GP mid. La réponse donc des Mouse Esports, ouais, effectivement, Malphite top, ou bien alors Malphite support, mais. Avec plus au Kennen. C'est pas fou. Hein. Ouais, j'ai plus foi dans le Kennen. Alors, dernier pick pour Gambit Gaming, la top lane.
Le pic de la caboche, ça va être important. Donnez-lui un carry, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on veut du sang et des larmes dans cette rencontre. Gnar est open. Alors, Cabochard, la clé, je pense, de cette équipe Gambit. Il évolue contre un GP. Il n'a pas son fils de disponible. Quel va être son choix? Petit Riven, là. Ouh, tu me chauffes. Ce serait beau. Tu me dis ce genre de choses. Ce serait très Essayons très de lire sur les lèvres de Shunt. Shunt. J'ai lu Maître Yi. Le maître Yi top du futur. Fiora. Ah, Karim. Et Karim, on n'y avait pas pensé. Oh, un Karim. Pour le dive, ils vont dive les Gambit. Je pense vraiment qu'ils vont jouer aggro dans cette early game là. Au niveau de la draft, Sean leur a donné toutes les clés pour être agressif. Ouais. Là, clairement, il y a de quoi faire. Alors, et Karim Smite, par contre, on revient un petit peu dans, le, dans les buts de, du passé. J'aurais préféré un Ignite. Sachant que là, Betsy part au heal, il y a quand même du sustain hein, à virer sur, sur le GP, sur la Sylvia quand elle aura du lifesteal, ça ne serait peut-être pas trop. Le petit défaut de la composition Gambit, attends, il joue Smite ? Il joue Smite, ouais. Bon. Ah ouais. Surtout que Cabochard, il avait tendance vraiment à jouer Ignite, même à la période où tout le monde le jouait Smite. En général, il disait no care et moi je joue Ignite. Le truc, c'est que dans la compo Gambit, il y a du dégât, il y a de la temporisation, mais il n'y a pas vraiment de frontline. Et au niveau des phases de siège, ça peut poser un problème. Tu as raison. C'est ce que j'allais dire, justement. Ils ont un mid-game qui manque un peu de tankiness, là, sur le papier. Mais tout ça peut être, compensé, bien entendu, par leur itemisation et par de la tankiness. En tout cas, Gambit, c'est ce que je disais. Ils ont. Shunt leur a donné les clés pour être agressif, pour dive. Ouais. Maintenant, ça va être à eux de mettre en place leur jeu dans ce début de partie. Et du côté des Mouse eSports, on n'est plus sur une composition qui scale avec le Gangplank. Une composition qui est forte pour prendre des tours également, Ellie. Avec bon, le siège de Gangplank et de Sivir, c'est vraiment, vraiment, vraiment balèze d'avoir un certain niveau d'itemisation. Ils ont pas mal d'engage également. Ah, c'est pas mal. Après, attention, ce serait possible que les Mouse eSports partent sur un swap lane pour tenter le gold rush avec la Sivir et le GP. On a l'habitude de voir ça de plus en plus maintenant à niveau pro. Ça va être intéressant. On est parti dans cette game. Alors, au niveau des dispositions, on early. Écoute, j'ai l'impression qu'on part sur un 5 fantastique assez classique. On va couvrir les entrées de jungle de part et d'autre afin de refuser les fights en early. Et on joue double TP hein, du côté des Mouse eSports. Bon, logique. Lorsqu'on joue un GP mid, c'est la grande tendance, avec la flask, histoire de s'assurer énormément de sustain. Ouais. Et puis bon, le TP voilà, qui permet de revenir à foison, tu craques toute ta mana, paf, 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 paf. Et derrière, tu reviens avec ton TP. De toute façon, c'est un pick vraiment late game, hein. Il n'est pas là pour peser, prendre des solo kills. Avec un Ignite, il va falloir qu'il monte en puissance ce GP. Gang by Mom te dirait, je ne suis pas d'accord. Mais Gang by Mom n'est pas en cette game. Oui. Là, c'est Jinch. Alors, honnêtement, les patterns qu'on a sur 90% des GP, hors celui de Gambaibom, hors celui de Soaz, c'est farm, 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 farm. J'ai 3 items, je mets un baril, on a gagné la partie. Et là, du coup, le combo bottle plus TP, bah, c'est le meilleur starter possible et imaginable pour un millénaire, pour accumuler du farm tout en étant au maximum safe. Alors, Gambit, on start au niveau de ce red buff et on se dirigerait vers un swap lane pour les Mouse eSports. Alors, sachant que Kalista... C'est vraiment un bon pick contre Sivir en lane. Mais attention à ce Kennen, les Gambit qui rentrent du côté du bot side de la map. La sentinelle de la Kalista qui est envoyée en chasse. Ils ont l'information, les Mouse eSports. Ils avaient une ward dans ce tribush. Ils n'ont pas peur, Ghosty Pepper qui allait prendre l'info. Attention, ouh, ça ne se révèle pas hein, du côté des Mouse eSports. Les crues qui sont engagés. Allez, c'est parti. Dan, Benzu peut-être là. Allez, Ghosty Pepper qui s'est déjà fait un petit peu gratter. On va prendre le 2v2. Ghosty qui va prendre effectivement l'XP pour l'instant. Oh, le play de la part de Ghosty Pepper. Pinoy qui met de bons dégâts. Flash out d'abord. Dan, l'Ignite est passé. Ça va être le first blood. Non. Oh la pop. Mais c'est incroyable. Il a flirté avec la mort pendant 3 secondes, Dan. Et il a pas quand il a son auto, Pinoy, après le flash in Je sais pas parce que j'ai eu l'impression de voir quelque chose passer quand même. Étrange, bon là du coup, c'est opération gagnante hein, pour le Mouse eSports. Dan qui a pu prendre l'XP, alors ça coûte un flash, ça coûte un Ignite, mais voilà, derrière il est en vie. Là, la duo lane des Gambit qui va être un petit peu late sur ce timing là. En tout cas, ça bouge en frais de jeu, Chips.
Ouais, c'est bien ce que tu disais. D'après le chat, il y a eu cancel d'auto. Ouais. Bon, c'est dommage quand même pour les Gambits, ça se joue à rien. En tout cas, le move était bien agressif là et met en difficulté Dan. Et finalement, pour les Gambits, ça change pas grand chose à la situation étant donné qu'ils étaient partis pour fast push. Mais bon, ils auraient pu commencer la game avec un first blood. Sur une Kalista en plus, hein, ça aurait été vraiment, vraiment intéressant. Bon, au niveau des timing push, Gambit qui a légèrement l'avance, j'ai l'impression. Après, c'est pas grave, voilà, ça va être équilibré. Et Karim, et Cabochard qui d'ailleurs a swappé, hein, qui n'est plus parti au smite, mais bien dans les late chips. Alors, c'est le push de chaque côté. Et les tours qui prennent quand même très très cher là dans cette phase de swap. La question c'est qu'est-ce que vont faire les deux équipes juste après. C'est intéressant, j'aimerais bien tu vois avoir là avoir Sean justement pour lui demander mais alors qu'est-ce que tu penses de. Enfin, qu'est-ce que ton équipe devrait faire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a inculqué à ses joueurs en fait dans ces phases de swap lane qui sont je dirais vraiment la. Enfin, tactiquement c'est la chose la plus intéressante qu'il puisse y avoir selon moi en early game. Est-ce que tu as toujours plusieurs choix qui s'ouvrent à toi? Ouais. Bah, est-ce que tu gold rush? Est-ce que tu tentes les dives? Est-ce que tu fais les rotations? Après, que ça aussi, hein, qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au niveau des midlaners, les supports sont libres en fait et peuvent aller peser justement au niveau de cette lane-là. D'ailleurs, au niveau du mid, ça donne quoi pour l'instant? Bah, écoute, le GP qui s'en sort pas si mal que ça en hein, 22 CS. Par contre, les bottles qui partent très très vite. Déjà, plus de potions hein, dans l'inventaire de monsieur. Alors, c'est quoi son pseudo? Jinch. Monsieur Jinch. Pense à Jinx, mais. Avec un ch. Ouais, avec un ch, tout simplement. Alors, les Gambits qui décident de réenvoyer leur duo lane du côté du bot après avoir sécurisé la T1. Intéressant. Alors, c'est peut-être qu'ils veulent justement venir contrôler ce dragon un peu plus. On a la présence donc du Ekarim de Cabochard au top. Et j'ai l'impression qu'il va disposer de pas mal de farms. Alors on va voir ce que ça a donné là le 2v2 Ellie. Ah, ça a été rétabli assez tôt. Hein. Ouais, finalement, bah avec, après la prise de tour, en fait les Mouse Esport ont fait ce qui est assez classique, c'est-à-dire mettre leur duo lane au bot et tenter d'aller chercher la T1. Mais en fait Gambit préfère appuyer sur le 2v2. On a les summoners. Alors l'Ignite est revenu sur Gozu, par contre pas de flash encore hein, sur Pinoy, qui a un énorme retard de farm actuellement. Donc là, ça va être compliqué pour eux. Ils veulent prendre le challenge. Il va falloir peut-être que l'ami Diamond Prox fasse la différence. Diamond Prox, d'ailleurs, qui vient d'être vu là, qui va aller prendre le contrôle de la rivière topside. Est-ce qu'on n'irait pas aller mettre un petit peu de pression au niveau de cette top lane? Ah, potentiellement, Diamond. Allez, peut-être pour une action sur le Malphite. Est-ce qu'ils pourront le tuer? Il a son flash. Il est patient. Alors, il a un rubis de cristal. Dan, qui circule là, pas loin. Justement, il passe devant cette ward qui vient d'être posé par les Gambits, Diamond hein, au service de son équipe. Diamond, comme nous le disait Shones, qui est un joueur qui pense assez peu pour lui-même en fait, et qui a un peu moins cette philosophie de je vois et je tue qu'il avait à l'époque où il était l'empereur de la jungle, et à l'époque où le counter jungle était voilà, sa chasse gardée, on va dire. Là, il est beaucoup plus dans une optique maintenant de team play, et c'est vrai que. Et pourtant, il garde en lui toujours ce petit truc du counter jungle, mais il ne joue pas pour lui, il préfère jouer pour ses coéquipiers. Attention, le dive. On va au dive. Cabochard, attention, Benzu, Diamond. Le cocon qui passe, l'UTGP qui fait tellement de dégâts, l'Ignite qui est positionné, Cabochard qui a tanké jusqu'au dernier moment. Mais là, voilà, Damien Brox, pas de soucis. Le Q-spell le rappelle. Propre. Efficace. Très, très propre. Ouais, un kill efficace hein, pour ces Gambits. Alors, Dan, du côté de la bot lane. Et toujours ses sentinelles. Oui, il joue un peu à Splinter Cell là-dessus. Ou Metal Gear Solid. Au choix, Dan. Il passe un peu entre la vision des Gambits. Mais encore une fois, c'est très très compliqué d'aller embêter une Kalista Thresh. Alors, ils n'ont pas encore le niveau 6 pour l'instant. Du coup, il y a peut-être quelque chose de faisable. Mais après. Je pense qu'on pourra oublier hein, du côté des Mouse Esports sur la bot lane. Ouais, effectivement. Ouais. De toute façon, le combo Kalista Thresh, les sentinelles, les ultis, les lanternes, ça va être difficile d'aller chercher. Et du coup, Jinx qui fait son retour au niveau du mid, le TP, le TGP qui a failli vraiment couper court aux tentatives de dive des Gambits tout à l'heure. Mais voilà, ça n'a pas été suffisant.
Et derrière, écoute, voilà, First Blood récupéré, c'est Diamond qui l'a. Hein. Donc là, ça va vraiment être de sa responsabilité d'arriver à faire snowball les lanes. Peut-être appuyer justement sur le bot. Hein. Rotation contrôle, Kalista Thresh, Elise. Hyper, hyper forte, beaucoup de dégâts de base. Sachant en plus que sur un Kayn support qui n'a pas d'escape naturel, qui est très fragile, ça peut être intéressant. Et on attend plus de choses peut-être de la part de Dan. Honnêtement, pour un grand final contre Edinta CU, pour un grand final des Challenger Series, c'est un joueur qui avait été... The buzz. La pause, ouais. Sur le beau rayon laser que Jinx se prend directement dans la chebou. Alors, comme ça, l'animation. Beaucoup de pauses aujourd'hui. Hein. Ah bon ? On en a eu 3 sur la game précédente dans le BO5. Je pense qu'en tout, sur le BO5 d'avant, on a dû en avoir 5. Je sais pas, il y a peut-être un problème d'instabilité des serveurs. C'est possible, effectivement. Alors, du coup, on va voir de quel côté c'est cette fois-ci. Bon, Gambit qui fait un bon début de game actuellement. Voilà, ouais, ils arrivent à prendre le first blood, quoi qu'il arrive. Ils ont un peu manqué de réussite sur leur tentative au bot. Mais là, c'est bien passé pour ce dive. Et comme on le disait, de toute façon, Shunt leur a mis une draft qui est forte pour dive. Donc là, ça va être à Diamond Prox de faire bouger les choses, de prendre l'aggro à chaque fois avec sa Elise et d'entamer les dives pour son équipe. Alors. Et il y a les qualifications wildcard qui vont commencer aussi. Enfin, il y a un dernier BO là, et c'est l'équipe de Dude qui va jouer. Ça commence dans 16 minutes. Les Chaos Gamers contre les Pain Gaming. J'espère vraiment que Dude va se qualifier et venir à Paris. Ça pourrait être chouette. Je vous l'avoue. Ça pourrait être très très chouette. Alors, a-t-on des nouvelles de la pause, mon bon Georges ? Sans doute pas. Très bien. Sans doute pas. Et du coup, si vous avez des questions sur le chat, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. OGL Meuble. Oui, blabla. C'est toujours Sean, le coach des Gambit. En effet. Et Forkiven est toujours bench. Oui. Pour 2 matchs. Demain, les costs. Oui, c'est vrai, demain, les costs. Alors, demain, on aligne un roster de casters spécial pour la grande finale, enfin, pour les promotions NA, puisque Zonobra, Tech et Shaina seront vos hôtes. Oui. Pour ces deux BO5. C'est le dernier cast de Zono, d'ailleurs, avant qu'ils repartent ouais. Du côté de l'Outre-Atlantique. Et on compte sur vous pour être là, hein. On compte sur vous pour être là, ça va être une grande, grande soirée. Quel est l'enjeu ? Bah là, l'équipe qui joue et qui remporte le match est qualifiée pour les LCSEU. C'est voilà, ça, tout ça. On les verra au Spring Split. Alors, pourquoi Devorer n'est pas joué chez les pros ? C'est trop long en montant en puissance. C'est sans doute trop long. Et même si c'est pas si long que ça, quand tu penses en temps solo queue, c'est vrai que purement pour le jeu pro... Ouais, pour le jeu pro, tu aimes bien avoir en général une size stone en deuxième item. Ouais. Et c'est pas forcément l'optique avec un dévoreur, donc je sais pas. Enfin, de manière générale, en LCS, le rôle du jungler, c'est d'apporter de la vision, d'apporter du contrôle, d'apporter du tanking. Le seul jungler qu'on voit de temps en temps à optique offensive, c'est Nidalee. Oui. Kha'Zix aujourd'hui aussi, mais c'est très très rare. Ouais. Et généralement, c'est les junglers en fait qui sont à optique offensive et qui pèsent dès le début de partie. Là où un jungle dévoreur en fait est généralement plutôt efficace post niveau 6. Alors pour ceux qui demanderaient, donc Noah est en vacances actuellement comme Zab. Et voilà, du coup, on n'a pas beaucoup, on a forcément un roster de casters assez réduit. Par conséquent. Donc voilà. Oh, attention le bot. On y retourne le cocon superbe de la part de Diamond Prox sur Cédrillon derrière le spellshield qui est déclaqué Kabocha à la réception peut-être du TGP. La Légion des Ombres et derrière c'est la Kalista de Pinoy qui va récupérer le kill. Gambit qui emballe la game chips. Effectivement. Et pourtant Cédrillon pouvait se targuer d'avoir beaucoup plus de farm que Pinoy. Mais ça ne fait pas tout. Là, attention à cette Kalista qui a un excellent pick contre Sivir. Et là, j'ai peur que les Mouse Sports commencent à se faire snowball. Mais encore une fois, j'ai parié sur un 3-0 assez sec de la part des Gambit. Ils en prennent le chemin pour le moment. Ouais. La Kabosh qui utilise son TP là. Et donc les Gambit qui vont aller chercher ce premier dragon, Ellie. Pour l'instant, les choses se présentent très bien.
Et s'ils arrivent à mettre la pression et empêcher ce Gangplank d'atteindre son pic de puissance, honnêtement, c'est tout bénef. De toute façon, quand tu joues contre GP, tu joues forcément pour l'empêcher de de sauver stuff, c'est ça, et d'avoir 300 d'AD et beaucoup trop de crit, parce qu'après c'est là, c'est l'horreur. Voilà, pour l'instant, Gambit qui prend les devants, ils essayent de, voilà, ils font des choses, ils appuient bien là où il fallait, pas de T1 au bot, overextend de la part de la lane des mauvais sports, bah forcément, sanction derrière. Alors Dan, sa première apparition en termes de gang, peut-être, voilà, le problème c'est qu'il arrive trop tard, back déjà amorcé de la part de Gozu Pepper, Pinoy. Pinoy qui va reculer, qu'est-ce qu'il va faire là? Il faudrait peut-être qu'il rentre à la base. Faire attention à Kennen Sivir, ça peut faire très très mal, ça peut dive également sur un stun. Il y a un Ignite en plus sur Mountain. Faudra être vigilant là. Attention, Pinoy au last hit solo sous tour. Il y a tour qui prend extrêmement cher d'ailleurs. Et on va chercher la T1 là, du côté des Mouse Esports. Alors Gozu qui a fait la rotation, qui va voir des, c'est bien vu. Il prend l'information sur Dan. Bon, là maintenant, on a le niveau 6 de la Kalista, bientôt celui de Treyashi, ils sont safe, hein, plus de soucis à ce niveau-là. Au niveau de la mine 9, écoute, l'ami BT qui joue très très haut depuis tout à l'heure, on voit un GP qui est en permanence sous tour. On est back d'ailleurs, j'aimerais bien que l'observateur nous montre la vision dessus. La T1 doit se faire gratter petit à petit, Kebouchard. Kebouchard, le respect en prison, qui part directement en proxy. Il est en confiance, Kebouchard, je pense qu'il a envie de montrer que, voilà, son... sa place est en LCSEU. Ah, oula, j'ai senti le... Kebouchard pas content. Ouais, effectivement. Le... Bon, les gars, je suis en proxy, là. Laissez-moi proxy tranquillement, mince. Du coup, si vous avez de nouveau des questions, bien allez-y, hein, parce que tout à l'heure, il y a eu une vague d'interrogations. Et j'ai vu une question par rapport à au tirage de la phase de groupe. Pour la phase de groupe, c'est tiré le 12 en direct. Et, on devrait le stream sur Gaming, normalement. Mm-hmm. Pour partager ça avec vous. C'est toujours marrant de voir le tirage de groupe dans une compétition. Après, quand t'as le groupe de la mort qui sort, il y a toujours un groupe de la mort. Oui. Alors je fais ah. À lui là, où je suis bien content de pas être dedans. Mmh. Ouais. Un problème de clavier visiblement pour Gozu. Alors, qu'est-ce que c'est que ces promotions? Écoute, monsieur Volkul, c'est tout simplement les matchs qui vont déterminer qui monte en LCS et qui descend, tout simplement. Donc ouais. Là, le vainqueur de ce BO5 accédera au Spring Split de l'année prochaine. Ouais. Exactement. Alors, Chip, ta sélection de site LOL pour suivre l'actu LOLesque. Toujours plus de sel. Moi, sincèrement, je vous recommanderais The Score Esport. Je pense que... il y a pas mal de gens qui connaissent, mais The Score Esports, je trouve que c'est bien. Enfin, ouais, en fait, c'est plus que de l'actu, c'est-à-dire c'est pas mal d'analyses en profondeur et des choses assez intéressantes sur des experts des différentes scènes. Et honnêtement, ils ont une bonne plume, donc moi j'aime bien. Après, Oracle il y a des sites Elixir. Comme Oracle Elixir, mais ça c'est plus statistique. Il y a Unicorn, il y a Esport. Comment ça s'appelle ? Esport Express. Esport Even aussi, c'est pas mal. Parfois, ils sortent des petits articles sympas sur des infos que n'ont pas les autres sites. The Daily Dot, ils sortent des trucs intéressants par moment aussi. Et je dirais Golperten, même si c'est assez bizarre Golperten parce que tout le monde peut écrire là-bas. Donc, il y a des articles assez moyens avec des rédacteurs qui sont bof. Mais au milieu, il y a des petites perles par moment. Donc voilà. Intéressant. On est sur 5.15 pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, que penses-tu du rework? Enfin, que penses-tu de Caitlyn? Besoin d'un buff, d'un rework? Et en fait, le problème de Caitlyn, c'est que c'est pas un AD carry qui a une identité propre, dans le sens où c'est très fort en lane, c'est bon en late game, mais entre les deux, ça fait rien. Ouais. Et du coup, c'est difficile. Et son dernier buff, en fait... Bon, on change pas non plus énormément son mid-game, parce qu'en mid-game, c'est pas le moment non plus où tes adversaires ont plus d'armor. Donc pour le late, ça reste un très bon buff. Pour le mid-game, ça change pas énormément. Ah, peut-être un petit up de stats de base sur la vitesse d'attaque ou quelque chose comme ça. Ou sur la vitesse d'attaque par niveau. Mmh. Pour justement essayer de pas trop appuyer sur leur lit, mais renforcer le mid-game. Mais on est reparti, messieurs dames, dans cette game, bien sûr. 2-0 toujours en faveur des Gambits. Un seul Kaggle sépare les deux équipes en présence. Et voilà, la Kabosh qui évolue au niveau du top avec son beau Ikari Midnight qui part très fort sur ce first item. Beaucoup de dégâts, ça fait plaisir. Alors, Dan au niveau du bot peut-être là. Première apparition du jungler en lane.
Qu'est-ce que ça peut donner? Ça va être intéressant, écoute, il faudrait poser des contrôles en fait pour les Mouse eSports. Ils ont le Maelstrom du Kennen, de Mountain. Attention, bah limite il devrait cesser grave hein, par Gozy Pepper quand il part dans ce genre d'optique. Attention, Diamond Pro du côté du top. Il y a un ulti cette fois-ci. Les Cabochards, on l'avait pas dit, mais on avait parlé de. Il a changé pour Ignite, hein, donc bon voilà, forcément ouais. Les dégâts sont présents. Hop, suspension et le kill est récupéré par les Gambits. Le combo Maokai. Et Karim Elise qui est vraiment super fort pour dive et même un Malphite ne peut pas résister. L'ulti de la part de Mountain, il va cesser les deux joueurs Gambit Pinoy qui va tomber là sous les coups de Cédrillon. Dan qui arrive également un peu tard. Finalement on remarquera que ben, la duo lane Mouse eSports elle a un peu pris son kill sans. En solo. Voilà, le jungler, Dan, il a fait le déplacement, il est toujours à 0-0-0. Et on est parti pour le push AT2 du côté des Mouse eSports. Ils appuient quand même là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire un Pinoy et un Gozy Pepper, on le sait, normalement, il n'y a pas la meilleure entente possible entre ces deux joueurs. J'imagine qu'ils ont mis leur querelle de côté pour ce BO5. Mais forcément, quand tu t'entends pas super bien, c'est dur d'être hyper dominateur au niveau de ta duo lane. Et on gank, on essaie de faire la différence à ce niveau-là du côté des Mouse eSports. On a un Pinoy qui est quand même bien derrière au niveau des CS, mais il a fini sa BOTR, Kylie. Ouais, il a pris un petit kill, hein, là, le carré à des Gambits, donc bon, ça va, c'est pas si dramatique que ça. Attention, l'arrivée de Mountain au niveau du mid, l'ulti GP, c'est très bien fait. Dan, le flash out, le Shunstaz qui va bloquer le Kennen qui se retourne. Mais il met de très très bons dégâts. Cabochard qui arrive de nulle part, une fois de plus. Le knuckle de la part de Dan. Oh, les barils qui font tellement mal, une fois de plus. Attention à ces barils. Diamond Prox, il a été vu par le sondeur, voilà. Le Blue Trinket, on prend l'information côté Mouse eSports. Et là, en fait, ils sortent Betsy. Ils vont essayer de push au niveau du mid. Oh, le TP, le retour de la part de Cabochard. Cette fois, non, il n'a pas encore son ultime. Il va revenir sous charge, peut-être. On va essayer de mettre des dégâts dans la mêlée. Bensu qui temporise sous 7-1. Et Gambit ne récupérera rien là-dessus. Cabochard, le TP. Histoire d'assurer le maintien de cette tour en vie sur la mid lane. Et on décale maintenant du côté du top. Il y a pas mal de femmes à récupérer. La caboche toujours aussi impériale. Hein. Dans ce qui est les duels en 1v1, Cabochard, j'ai tendance à le considérer comme étant le meilleur en 1 contre 1 en Europe. En Europe, ouais. Avec ouais. Uni peut-être. Non, pour moi, Uni n'est pas aussi fort en 1v1. Après, Uni est beaucoup plus fort sur les TP. Et bon, sachant que les TP, c'est quand même la chose qui peut faire considérablement snowball toute ton équipe. Mmh. Voilà, la capacité de TP bot de Uni notamment est bien meilleure. Après, sincèrement, Cabochard dans le pur 1v1, je pense qu'il est plus fort que Uni. Mais... Et par rapport à Soaz, pareil. Alors, avec Soaz, je pense que Cabochard est un peu plus fort. Rôle du cocon. Le cocon Max Rush de la part de Diamond Prox. Et la T1 qui va être sécurisée. La lanterne, superbe. Les rotations Gambit, hein, tu en parlais. Gambit, une équipe qui est vraiment hip, qui a un style de jeu très très lisse, très très propre. On prend les objectifs un par un, paf, les rotations de contrôle sont toujours bien faites. Les rotations de lanterne, c'est pareil. Et ça fait le taf là-dessus, hein. 3 tours à 3. Et léger avantage en gold, toujours en faveur de la line-up russe. Alors, le dragon qui revient là, c'est le deuxième de la partie. Les Gambit en position. Attention à ces tonneaux quand même. Le gangplank de Ginch là qui pourrait peut-être peser. Est-ce qu'ils ont un ulti GP les Mouse eSports? Oui, et la Kalista pour l'instant qui a posé pas mal de spears. Ça va être récupéré par les Gambit là sereinement. Ils ont pris la position très tôt. Et encore une fois, tu vois au niveau du kill efficiency là, 3 tours de dragon pour 3 kills côté Gambit. Ouais. On a beau dire, c'est propre quand même. C'est super propre, effectivement. Attention, Diamond Prox peut-être un petit peu hors de position de le cocon. Lanterne, une fois de plus, de la part de Gozu, pas de problème. Et la T1 qui va être protégée sans plus de soucis que ça. Pas de soucis. Alors attends, je regarde là les bots de Betsy. Il a fait un enchaînement capitaine là. Aussitôt dans la game, c'est vraiment étonnant. Effectivement. Surtout capitaine. Bah oui, capitaine là. Oui. J'avoue que j'ai du mal à saisir en fait. Capitaine sur un Victor là, ouais. C'est pas censé lui. Enfin, c'est pas lui qui engage en fait. Et capitaine, l'intérêt c'est quand même d'être le. Pour moi, la personne qui engage en premier. Bah, donc par exemple, un Ekarim à la limite. Enfin, un tank, je dirais. Je vais vérifier ça peut-être qu'il y a
propriété qui nous aurait été cachée, mais... non, c'est ça, hein. Stéroïde de vitesse de déplacement pour toute son équipe. Enfin, toutes les personnes qui le suivent, de 10%. Qui le suivent, ouais. Enfin, alors, qui vont vers lui, quoi. Oui, qui vont vers lui. Ok, à voir ce que ça va donner. Bon, c'est vrai que, en fait, s'il arrive à se positionner un petit peu en amont avec une lanterne de trèche et qu'ils font une espèce de passation de relais cabochard, ça peut être intéressant, mais est-ce que non, mais s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Bah, sans doute. Mais alors, justement, j'attends de la connaître. Attention, c'est l'engagement de la part de Mountain, un flash Maelstrom. Dan également qui intervient avec le bureau, mais regardez la couverture de Betsy. Betsy qui va mettre une tempête également. Gozzy Pepper prend beaucoup de dégâts, il va tomber. Le support Gozzy Pepper, le capitaine, il a failli rejoindre le capitaine Betsy. Gozzy Pepper, ça ne passera pas. Diamond Prox, agressif avec sa hélice là au niveau du positionnement. On va aller chercher à mettre des dégâts et des contrôles sur les Mouse Sports. Ah, c'était close, hein. C'était extrêmement serré là-dessus. Bon, un kill de sécurisé, ça coûte quand même un Maelstrom. Ça coûte pas mal de choses. Côté Mouse Sport, est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus, justement, côté Gambit? On va aller wave-clear au niveau du bot Pinoy, qui va prendre un petit peu d'XP solo. Attention, Moontay qui prend l'information. Protection est bien exécutée. Dan qui va revenir avec un ulti. Et Gozu, hein, avec ses homeguards déjà. Oui, il y a un chasse qui est claqué là-dessus, c'est Drillon. Il va y aller. Non, mais c'est Drillon. Enfin, Moontay, il a plus d'ulti, là. Il va quand même mettre beaucoup de contrôle. Diamond Prox. On temporise, joli. Oh, attention, Vinzu qui punit derrière. Betsy qui n'a pas d'ulti. Attention à ce gangplank de Jin. Tandis que Cabochard se fraye un chemin à mêler jusqu'au carillon. C'est pas mal tout ce qu'il fait là-dessus. Gozzy Pepper, le play. L'intervention était assez énorme de la part du support vétéran des Gambit Gaming. Betsy qui conclut également sur le malfit de Binzu. Les Gambit retournent totalement la situation, notamment sous la pulsion de Cabochard qui n'a pas hésité à se jeter sur Cédrillon. Et à Gozzy Pepper également qui intervient avec son trash. Ouais, bonne rotation, il bait jusqu'au bout du monde et temporise suffisamment pour le retour du support. Et la NT2, ça fait très très mal à ce moment de la partie. Tu disais encore un des kills, des tours, pas de problème. Gambit qui snowball très très bien. On arrive sur les coups des 20 minutes de jeu. Petit état des lieux, hein, Karim, bah écoute, qui est complètement fait d'un 2-1-4 là. Cabochard qui va pouvoir faire la différence. Alors, on va revenir sur l'action. Le bon coup contre Diamond Prox, hein, qui mobilise vraiment l'attention de l'équipe adverse, qui va juke avec le rappel. Derrière l'ultime Malphite qui est très bien positionné. Et là, Pinoy en fait qui arrive à se replacer avec un flash. Regarde Cabochard, paf, la percée. Et derrière là, paf, ulti Kalista. Gozzy Pepper qui arrive, qui met un très bon flay. Et à partir de là, les Mouse Sports ne peuvent pas se relever dans ce fight. Il reste un petit peu trop longtemps, peut-être Cabochard dans la mêlée. Il aurait pu s'en sortir là-dessus. Mais voilà, c'est bien fait là-dessus. 6 kills à 4, avantage 1,6 kgold en faveur des Gambit. 2 minutes avant le repop du dragon, on a le pic de puissance de ce Karim qui est bien complété. Triforce, un sol de glace, beaucoup de CDR, beaucoup de mobilité. Le Runan qui est en préparation pour Pinoy. Alors, est-ce qu'il pourrait avoir son deuxième slot pour le dragon? Écoute, bonne question, très bonne question. On va voir, on va suivre son évolution au niveau de l'itémisation. Là, 1 minute 30. Il va falloir se presser du côté de Pinoy. Et Nashor qui vient d'apparaître sur la feuille d'invocateur. Donc on a passé les 20 minutes de jeu. Et là, tu vois, au niveau des stats, Gambit qui a l'habitude d'être lead, enfin de se faire lead au niveau des golds à 10 minutes, mais par contre, pas à 20 minutes de jeu. Et là, ils sont largement devant, on est sur ce timing-là. Mais en fait, Gambit, le problème, c'est que leurs statistiques sur la saison, elles sont bizarres parce qu'ils ont super mal commencé. Ils ont eu du coaching tard. Ouais. Ils ont eu le ban de Forgiven. Enfin. Le souci, c'est que l'équipe a vécu tellement de hauts et de bas qu'honnêtement, jamais leur potentiel n'a pu être exploité de façon régulière. Et c'est tout le drame des Gambit vraiment cette saison, hein, qui pour moi sont une équipe qui méritait beaucoup mieux que la 8ème place dans la LCSEU. Ouais, effectivement. Après, bon, de là à aller chercher par exemple une place aux Worlds, je sais pas, mais pour moi, ils auraient au moins dû jouer les playoffs. Ah, écoute, on verra la prestation qu'ils nous proposeront l'année prochaine. Pendant qu'au niveau de la botlane, Cabochard qui met du rythme directement sur Bemsu. Wow, ça va être très très dur à tenir pour ce malfit. Cap solaire, c'est pas suffisant pour tenir les dégâts d'un Ikarim en colère. 20 secondes avant le repop du Dragon Chips, ça va aller vite là. Alors du coup, pas de Runan pour l'ami Pinoy. Par contre, derrière, déjà un Luden de compléter sur Betsy. Betsy qui s'est fait un petit peu, comment dire, il s'est fait un peu oublier dans les fights, mais qui pose toujours de très bons dégâts. Là, il ouais, et encore sur le fight en bas, il n'avait pas son ulti qu'il avait utilisé au mid pour tenter de couvrir Gozzy Pepper. On a tenté le style là, du côté des Mouse Sports. Et avec son ulti, ça aurait été carnage hein, en faveur des Gambit. Il faut faire attention, parce que là, c'est clair qu'au niveau des rayons, notamment,
avec l'écho de Luden. Ça va être intéressant en termes de race. Cabochard en position. Quel ward? Quel ward pour Cabochard? Oh, celle juste au-dessus. Celle d'ambition juste au-dessus. Ouais, elle est parfaite pour la caboche. Alors le problème, c'est que le reste de son équipe n'est pas encore en position. Là, les deux carrés qui sont encore au niveau de la midline. Ou alors celle au sud de la river. La pink là. La petite pink en bas à droite. Ouais, la pink en bas, ouais. Oh, il TP très très loin. Ah ouais, non. Il TP super loin, Cabochard là-dessus. C'est dommage. On va aller sur. Oh, le dégât énorme. C'est Drion qui prend mid life à l'engage derrière. La légion des ondes de Cabochard. Les Gambits qui vont maintenant se focaliser sur Dan. Dan qui apprend de bons dégâts. Binzu qui contre avec son Malphite. Il est isolé maintenant. Esselé. Il va tomber sous les coups de la backlane des Gambits Gaming. On tente le grab du côté de Gozy Pepper. Cabochard est tombé. Honnêtement, il y avait mieux à faire côté Gambit. Il y avait meilleur engage à proposer. Cabochard, là, le TP. Mais bon, et c'est pour ça que je pense que Cabochard est meilleur en 1v1, par exemple. Mais un Uni aurait peut-être, dans ce genre de cas, été un peu plus fort au niveau du gameplay au TP. Je pense même qu'il aurait mieux fait. Parce que là, ils avaient la position, honnêtement, pour vraiment marcher sur les Mouse Esports, je pense. Je pense qu'il s'est dit, je vais TP aussi loin parce que plus tu cours en fait une grande distance avec le Karim, plus tu fais mal. Et à ce moment-là, tu mets le TP plus tôt. Tu mets pas aussi tard. Sinon, tu TP sur la pink qu'on avait dans le petit bouche rivière qui était isolé, qui aurait été très très bien. Alors, tu peux un peu tourner en rond, hein, sinon. Non, mais vraiment. tu fais crisser les roues, crisser les sabots du Karim. Ouais, ça aurait pu marcher. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il fait une bonne entrée en matière, mais c'est trop tard. Du coup, Dragon récupéré par Mouse Esports. Oula, Nashor. Nashor ou pas Nashor? On hésite, on va prendre le carapateur plutôt du côté des Gambits. Mais en tout cas, ils prennent la position pour hein, actuellement. Et c'est le kill à 5 toujours là en faveur des Gambits. Deux dragons 1 pour cette équipe et une petite avance au niveau des goals. Mais Mouse Esports résiste bien, un peu mieux que je le pensais même. Ah, le Runan est complété du côté de Pinoy. Et on a un Zeke sur Elise. Ouais, effectivement. Intéressant. Généralement, c'est plutôt le support qui porte l'item. Mais du coup, Gozy Pepper, j'imagine qu'il partirait sur sans doute un étendard. Je vois pas trop faire Iron Solari contre. Kennen Malphite quand même. Ouais, mais. Même si ses supports est top. Je sais pas, je préfère les. Moi, j'ai tendance à préférer l'étendard en fait maintenant. À moins qu'en face, il y ait vraiment une Eevee équipe. Allez, on verra, sincèrement, ça dépend aussi de ce que veulent faire les Gambits de leur game. Mais l'étendard, je trouve que ça débloque plus de possibilités tactiques en fait. Tandis que l'Iron Solari, c'est purement pour les escarmouches et les fights. C'est vrai que l'étendard pourrait être intéressant dans la mesure où, en termes de DPS physique, c'est GP et Sivir qui n'ont pas tant de portée que ça. Alors après, est-ce qu'un baril one-shot le sbire sous étendard? C'est la question. Si c'est le cas, l'étendard sert à rien du tout. Sinon, non. Ça peut débloquer les passes de siège. Non, il le one-shot pas, mais ça fait de gros dégâts. Ça fait de très gros dégâts. Bien, on va voir sur quoi il va partir l'ami Gozu Pepper. Alors, les Mouse qui vont commencer à se regrouper au niveau de cette mid lane. Attention, Diamond Prox qui commence à se mettre en position pour un flanking peut-être. On se chamaille hein, pour avoir le contrôle du Nashor. Oula, Cabochard qui a été vu. C'était engagé, mais la ward, elle est là. Elle donne l'information. Ah, allez, on est parti du côté des Gambits. Attention, un ulti de la part de Gangplank. Cabochard sous Eke. On le voit là, linké avec la Elise. Attention, l'ulti. Oh, tout de suite, suspension. Cabochard, il faut répliquer. Oh, peut-être Flashard de la part d'Evan Prog. Cabochard, c'est peut-être l'heure de briller là-dessus. Oh, le peur de la part de Belsi. Mais le Cabochard également dedans. La mêlée se fait âpre entre les deux équipes. Mais regardez, Belsi qui fait une percée là, dans les rangs des Mouse Esports. 4 Mouse Esports à terre, 5 Mouse Esports à terre. C'est un ace en faveur des Gambits Gaming. Un triple kill pour Betsy. Très très bon team fight des Gambits. Les Mouse Esports se sont goulûment empalés sur les Gambits dans ce tribush. Et les Gambits enchaînent sur une prise de Nashor. Alors, Diamond vient de mourir sur Nashor ou j'ai rêvé là? Non, j'ai rêvé, très bien, tout va bien. Nashor qui va être engagé. Intéressant vraiment la capacité de bait des Gambits dans le tribush. En fait, ils font penser que Elise est morte. On va revoir l'action. En fait, on va focus du côté Mouse Esports, Diamond Prox et Cabochard. Dan qui avance, l'ulti du Malphite, paf, il temporise bien, flash out, et là ils s'engouffrent tous dedans, et là du coup Betsy, il joue à Moïse, là il met des dégâts. Oh, ouais, et là il tape sur la front lane. Hein. Il a défoncé les trois tanks de l'équipe adverse, c'est à plus, lui tu tout mets seul. Le champ de stase, regarde, il ramène Jinch dans le champ de stase, et puis Noy qui fait la percée derrière. Et en fait Diamond Prox meurt sur le Nashor après. Ça c'est un peu dommage par contre.
Ouais. Ça donne un kill gratuitement à la civière de Cédrillon, on aurait pu s'en passer. Effectivement. Mais bon, le principal est là quand même du côté des Gambits. Et ce genre de move est pour nous faire marrer après l'action quand même. C'est important. C'est vrai. Ça reste un jeu vidéo quand même, League of Legends. Et un jeu vidéo, c'est censé être marrant. Un peu. Enfin, je trouve. C'est mon point de vue. On va dire. Une minute avant le retour du dragon, Ellie. Et pour l'instant, ces Gambits sont vraiment bien positionnés dans la game. Ils vont pouvoir mettre la pression sur la mid lane, sur la top lane, avec le speed push de Cabochard. Et derrière, décalé sur le Nashor, sur le dragon, pardon, parce que le Nashor, il vient de le faire. Ouais, là, il faut essayer de snowball un petit peu, hein, prendre des tours, prendre des golds. Alors, Cabochard, c'est dommage, il a pas le buff, malheureusement. Il est tombé pendant la baston. Alors, Ghost du Pepper qui arrive. Pendant qu'on a la fine crème de l'esport français qui vient d'arriver sur le plateau de gaming. Et c'est alors le push du côté des Gambits. Attention, les barils. Oh, le grab, dommage, parce que la superposition avec le cocon n'était pas réussie du côté des Gambits. Ça force un ulti GP. Ça, c'est toujours bon à prendre. Alors, Malphite, Bensu qui fait la rotation. Ah, ça va très 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 vite. Une bannière de commandement dans ce genre de phase de jeu aurait été hyper, hyper intéressante. Ouais, 3, 2, 1, dragon qui revient, les Gambits. Ouais, bon, pour l'instant, la bannière pas encore. Mais on verra justement ce que va faire Ghost Pepper, quel va être son choix. C'est vrai qu'après, on le voit, les deux équipes, elles teamfight. Il y a eu quelques gros teamfights quand même, Ellie. Oui. Donc effectivement, dans ce genre de cas, l'Iron Solaris c'est intéressant, surtout vu comment ils sont paqués les fights. On va voir ce qu'ont décidé de faire les Gambits pour la suite de leur partie. Mais pour l'instant, ils sont vraiment dans d'excellentes conditions. Et on a des Mouse eSports vraiment sur la défensive qui ont du mal. Et ils ont buté ce bircanon, il faut aller le chercher. Voilà, c'est récupéré, le dragon est là. Est-ce qu'ils vont aller le prendre quand même, les Gambits? Ah, il pourrait, hein. Pour l'instant, Cabochard est en train de speed push, Ellie. Ouais, il va faire avancer. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de T2 à récupérer là. 5 tours à 3 pour les Gambits, ça leur fait tellement de bien au niveau des golds. 7K d'écart entre les deux équipes en présence. Alors attention, Gozu, on va appuyer. Hein. Cette T2 top, elle est importante. Pas de problème. Et Cabochard qui fait son back. Ouais, donc Cabochard qui fait le back. Il va prendre le top normalement. Et la rotation de son équipe devrait se faire sur le dragon assez logiquement. Elle est bien la draft de Shones pour prendre des tours. Hein. Parce que tu menaces avec les skill shots, que ce soit le grab de Thresh, le cocon d'Elise et le rayon laser de Victor. Et derrière, voilà, tu fais reculer les adversaires. Et pendant ce temps-là, Pinoy, il a un petit timing pour aller mettre des autos et gratter justement ses tours. Alors, ils vont aller faire ce dragon finalement, les Gambits. La réponse est oui. Après avoir sécurisé la T2, on effectue la transition vers le boss side de la map, Ellie, et on va récupérer ce dragon. Oula, quoique, il y a un gros bus Mouse eSports qui est en train de se positionner. Ouais, faut pas risquer hein, de perdre tout l'avantage récupéré si durement côté Gambit. C'est le deuxième dragon des Mouse eSports, c'est pas si dramatique que ça. Est-ce qu'ils vont quand même? Le TP de Cabochard cette fois. Oh, il est encore très très loin son TP malheureusement. Le hook qui va toucher sur le support. Mountain qui flash out, Mountain qui va tomber. L'arrivée de Cabochard dans la mêlée, c'est très bien fait. La Légion des Ombres qui va toucher deux personnes derrière. Le carry à des Mouse qui est sorti. Oh là là. Ouais, derrière les dégâts. C'est la leçon de la part des Gambits. Mouse eSports qui vient de se faire écraser dans ce teamfight de nouveau. Et bon, là, je crois que pour cette partie, les carottes semblent cuites. Ellie, ouais. À mon avis, Mouse eSports, ils n'ont pas les arguments. On le voit, Cabochard, il fait trop la différence en fight. Je ne voyais pas tant derrière au niveau des fights Mouse eSports là-dessus. Je suis assez étonné vraiment de ce qu'ils viennent de prendre. Mais ouais, tu disais un Cabochard. Cabochard qui fait un super boulot, qui solo le carry AD, derrière qui bloque 3 personnes. Ghost du Pepper et Diamond Prox sont très bons aussi, je trouve, sur cette game. Mm-hmm. Et il fait Iron Solari finalement. Plus axé team fight donc pour Cabochard. Okay. Enfin pour Ghost du. Alors là, si on regarde hein, les stuffs de Gambit, bon. Louis Karim, il est immortel maintenant. Cœur gelé, ex-drinker côté pineuse avec une Triforce. Au niveau de la mid lane, bah, on a un Victor qu'on l'a vu, hein, les dégâts de Betsy sur le fight au niveau du Tribouche Top tout à l'heure, qui est capable vraiment de faire fondre la fontaine à lui tout seul, qui derrière en plus a un Zonia. On a un Zeke sur la hélice pour booster encore un petit peu plus le Karim Diamond Prox. Le round 20, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment arriver à crush cette game. C'est une question de minutes, je dirais, pour que Mouse eSports laisse passer cette première partie dans ce BO5. Il suffira sans doute d'un bon team fight encore pour ces Gambits. Un petit cancel du côté de Binsu. C'est vrai qu'on les a sentis un peu perdus, les Mouse eSports en teamfight. Après, le problème, c'est qu'ils veulent absolument engage, mais en fait, avec GP, ils ne devraient pas la jouer comme ça.
Ils ont un champion qui est censé poke un peu, prendre des points de vie aux adversaires en avance, et derrière, ils devraient décider d'engage, mais la plupart du temps, ils y vont un peu nature, en fait, Eli. C'est vrai qu'ils y vont un peu de manière brutale. Bah, après, il y a un Kennen aussi. Kennen Malphite, ça pousse, en fait, à vraiment avoir envie de rentrer dans le tas. Et le problème, c'est que GP, dans tout ça, n'arrive pas à s'exprimer. C'est dommage. Et là, du coup, le Blue Buff qui est engagé, Diamond Prox te reset, ça va être smité, pas de problème. Une minute avant le repop de ce Nashor Chips, là c'est important pour les Gambit Gaming d'arriver à conserver justement le contrôle à la fois de cette rivière mais également de cette jungle autour du bleu d'équipe adverse. On est parti du côté du top maintenant, Gambit, attention Diamond Prox contre Binzu. Diamond Prox est bien dans les... enfin Kabusha pardon. Je sais pas pourquoi je confonds Kabusha et Diamond Prox dans cette game, c'est très étrange. Et bon, la Kaboche donc, qui vient de repousser Binzu. Et on met de nouveau la pression au mid et au top. Ah, oh, ça sent le gros dive bien gras de la part des Gambits. Il a fait une tierce, Kabusha. Kabusha qui n'a respecté. L'hommage à Darien. Enfin bon, attention, l'ulti de la part de Binzu. On va voir ce que ça va donner. L'ulti du Kennen de Mountain. Pour l'instant, Kabusha, Légion des Ombres. La Légion des Ombres. Les Gambits reprennent la main dans le fight. Ils sont en train de repousser jusque dans le retranchement. C'est Mouse Esports. Godlike pour Betsy sur ce kill sur Binzu. Et les Gambits qui vont aller prendre les tours du Nexus. Et j'aime cet hommage de Kabochar. C'est beau. C'est très très beau. Et du coup, première game remportée par Gambit Gaming. Là-dessus, bon, honnêtement, ça se voit en teamfight. Hein, le groupe de l'armée rouge là qui fait vraiment la différence par rapport à des Mouse Esports qui sont un petit peu hésitants. Sur la tenue de lane, c'était pas mauvais parce qu'ils ont proposé nos petits outsiders. Mais voilà, au niveau des rotations, ils sont un petit peu perdus. Au niveau des teamfights, c'est pas ça. Au niveau des objectifs, c'est pas ça non plus. Écoute, je ne sais pas quelle va être la solution, mais Gambit en tout cas semble bien parti. En tout cas, vraiment, vraiment une grosse game de leur part. Hein. Il n'y a pas grand chose à leur reprocher sur cette première partie. Kabusha a été au rendez-vous comme on l'attendait. Peut-être un petit TP un peu trop un lointain peu loin, ouais. À un moment, mais bon, dans l'ensemble, je pense vraiment que ces Gambit ont fait le boulot. Et je les vois 3-0, encore une fois. Du coup, Eli, page de pub et on revient pour la deuxième game de ce BO5. On vous rappelle que les SK ont perdu leur place en LCSEU oui. Au profit des Gamers 2, l'équipe de Slot qui s'était improvisé coach pour l'occasion. Voilà, c'est super. Sur ce, page de pub et on revient pour la deuxième partie de Gambit contre Mouse Esports. Et on est de retour pour la deuxième game. Gambit contre Mouse Esports. La première partie a tourné assez court finalement. Tech. Ouais, domination. Bah, sans surprise, je trouve des Gambits. Effectivement, des Gambits qui pourraient lancer 1-3-0 assez facile, à moins qu'il y ait une espèce de chatoiement des Mouse Esports. Ouais, peut-être une flamboyance, une fulgurance de leur part. Honnêtement, le GP finalement a pas vraiment pesé dans les débats. Ils ont pas réussi à teamfight convenablement. À chaque fois, les Gambits ont proposé de très gros teamfights. Ouais. Avec notamment des ultis de Kabochar qui étaient très bien sentis. À chaque fois, c'est le bon timing sur Kabochar. Il y va pas tout de suite, il attend. Et puis là, il voit trois joueurs adverses qui sont genre à midlife. Et il fait Bob R. Voilà, et teamfight gagné. Exactement. Alors, ban de la Ulu du côté des Gambits. Ils vont jouer Blue Side sur cette game tech. Ouais, et du coup ils vont avoir l'avantage du first pick là-dessus. Ils peuvent mettre une pression sur les Mouse Esports qui vont être forcés à faire des bans un peu prioritaires. Peut-être les Karim potentiellement de Kabochar qui a quand même fait vachement mal sur la dernière game. Ou alors des bans plus réguliers pour avoir le GP aussi qui est ban. J'aimerais bien voir le Kabochar sur le GP. Ça pourrait être assez intéressant. Et non, forcément c'est ban. Pour les Mouse Esports, deux balles pour l'instant sur la top lane. Ils peuvent pas se permettre de laisser open. Non, c'est ça pour le. Est-ce que Diamond joue Olaf en jungle? Est-ce que tu sais? Écoute Olaf. C'est plus Kabochar quand même qui est parti. Je verrais plus Kabochar. Mais après, on sait pas exactement ce qui est train par les deux joueurs au niveau des Smurfs et autres. Donc c'est toujours difficile d'être sûr. Pour l'instant, les Gambits gardent vraiment la même stratégie de ban. Ah, une différence près cette fois, on ne veut pas sécuriser le victoire pour soi, et du coup on George, le ban. Il y a un crash. Ah. Genre le jus. Crashu.
Okay. Ah, effectivement, sur le stream, c'est offline. Intéressant. Clash U. Bon. Alors du coup, il banne quoi? Donc il banne le GP, il banne la hélice de Diamond. Hein. Il banne la hélice de Diamond. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Speak, les Gambits? Ah, le Yasuo de Cabochard. Clac, clac, mode Super Ranger. Enfin, Power Ranger, parce que Super Ranger... Power Ranger. Ça marche ou pas, du coup? Est-ce qu'on est en live? On est en live. Ah, super. Rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Nous sommes toujours présents avec donc le Dallas Ban pour la Elise contre Diamond Prox. Et ce sera un Azure First pick pour Betsy qui va être du coup sur un pick assez solide et sur lequel il est plutôt confortable. Ouais, le Azir là qui va offrir un très gros team fight à ses Gambit Gaming, un très gros scaling en late game. Ah, il semblerait que ce soit Froggen qui ait dédos notre stream. Froggen qui est en train de stream actuellement. Ah, c'est possible, effectivement. Et du coup, qui cherche à grimper hein, forcément dans le stream game. Ouais, exactement. Ouais, Froggen, c'est un joueur pas trop connu. Un petit nouveau sur la scène, voilà, qui essaie comme ça un petit peu de montrer ce qu'il est capable de faire. Voilà, on a joué 2-3 fois, joué une Anivia d'une qualité moyenne. Correct, allez, on va dire correct. Correct, allez, ouais, correct, tout à fait. Ça va être sympa. Et le match des Pain contre les KLG a commencé également pour le dernier slot wildcard pour les championnats du monde. On arrive au bout tech. Ouais, on espère tous que Pain Gaming pourra... arriver jusqu'à Paris. Ce serait sympa. Pour voir le bon Dude. Pour voir Dude, ouais. Alors, une Ahri pour Jinch et une Kalista pour Cédrillon. Je suis pas du tout fan de ce pick Ahri contre Azir. Contre Azir, ouais. C'est on a déjà vu le match-up des milliards de fois. Honnêtement. Et, tu mets une partie sur Impérial et la Ahri, elle peut plus rien faire du fight. C'est quand même assez, assez mal moyen, quoi. Du coup, en attendant, on va voir Cozy Pepper toujours sur son Thresh. À la belle époque où on l'appelait le Prince. Le Thresh Prince, évidemment. Et Diamond Prox sur une Rek'Sai. Beaucoup de mobilité. C'est vraiment le genre de jungler sur lequel il est vraiment à l'aise, Diamond. Ouais. Très tanky, des dégâts qui lui permettent de ne pas être ignoré. Et surtout une bonne mobilité sur la carte. Qui lui permet vraiment d'être partout à la fois. Pour l'instant, les Gambit Gaming font une draft très solide. Là où je mettrais vraiment un bémol sur le pic Ahri de Jinch. Effectivement, c'est assez étrange à ce niveau-là et je pense que Sean a dû se régaler lorsqu'il a vu le pic Ahri. Du coup, côté Mouse Esport, alors on n'aura pas de Thresh par Mountain pour aller avec la Kalista, mais il y a le Alista. Donc le Kalista est possible pour cette équipe. Pour voir Brome aussi qui est peut-être un peu plus safe, un peu moins all-in. Ou le Kennen potentiellement, effectivement. On pourrait repartir sur son Kennen, ouais, Mountain. Donc le. Kalista, Kennen et une Vaille. Ouais, Vaille en jungle pour Dan. Ils sont super squishy, Mouse Esport. Alors par contre, du coup, pique H en place sur une Vaille. Honnêtement, ça m'étonne pas. Hein. C'est dur quand même, quoi. Ben, moi je pense que Gambit est confiant vis-à-vis de leur capacité à... Comment dire... À pile. Honnêtement, avec Thresh, Azir. Je parle pour les teamfights. Hein. Ouais. Je parle pour les teamfights. La partition impériale, là, elle va démolir les Mouse Esport. Enfin, jouer une composition full engage squishy contre un Azir, personnellement, je trouve ça risqué. Et certes, tu peux te prendre un ulti de vie avec ta hache, mais après, il faut qu'on te tue. Après, il faut faire attention quand même, parce que l'ultimate de Azir, avec l'ultimate de Vi, ça fait des choses un peu particulières, en fait. Parce que Vi est repoussé, mais le knockback et les dégâts sont quand même appliqués. À la fin de l'ultimate. Du coup, ça fait des situations très particulières. Oh. Le fils de Cabochard. Le fils de Cabochard, on ne sait pas encore ce sur quoi va évoluer Binsu. Mais déjà, s'il choisit un tank, il risque de ne pas être dans la meilleure situation. Est-ce qu'il pourrait jouer, par exemple? Et le problème, c'est que je pense qu'ils ont besoin... Enfin, un tank serait bien pour ces Mouse Esport. Ils ont besoin d'une front lane. À moins que ce soit le Kennen, qui soit au top. Fiora. Fiora, c'est dur parce que tu peux pas te permettre d'engage avec Fiora, quoi. Ouais, mais le 1v1 est intéressant et ça leur apporte du speed push face au Fizz.
Ça doit sans doute être ce qu'il y a dans leur esprit, je pense. Ça, c'est Mozy Sport. Après, j'avoue que le Darius, c'était pas mal. On a déjà vu, hein, il y a de longues années, le duel Darius contre Fizz. Même si c'était au mid, qui avait été remporté d'une main de maître par le Darius. Et je pense qu'effectivement, Darius, c'est vraiment pas mal contre Fizz. Et ce sera finalement un mal fit pour Binzu, qui repart du coup sur son pic précédent. On repart tank, mais attention, hein, c'est face à un Fizz. Je suis pas ultra fan, j'avoue, du pic Malfut. En même temps, c'est cohérent avec la composition des Mousy Sport. C'est du gros go-in. On va essayer vraiment de hard engage sur les Gambit Gaming. Mais bon, voilà, il y a le Azir, il y a un Corki, du coup, ce sera pas une hache, ouais, qui va pouvoir Valkyrie out avec la bonne lanterne du bon Gozu Pepper. Il y a vraiment pas mal de choses pour essayer d'absorber l'engage des Mousy Sport. À la limite, ils auraient même pu pousser le vie jusqu'à avoir un Gragas en jungle ou une Janna en support. C'est vraiment genre, tu tentes dans l'engage et en fait, ça ne marche juste pas du tout. Du coup, tu vérifies quelle est l'interaction entre l'ulti de Malphite et l'ulti de Azir. Eh bien, Malphite, knocker total de la partition impériale et il passe simplement à travers. Ouais, parce que c'est un des rares spells du jeu où t'es censé ne pas être stoppable en fait. Enfin, ça dépend. Ça dépend du... aussi, hein, tu peux pas la contrôler pendant l'ultimate. Ça dépend du timing en fait auquel est lancé l'ulti. Ouais, effectivement. Parce qu'il y a un petit temps de casse sur l'ulti d'Azir, il est très léger, mais si tu le lances au moment où le Malphite va toucher, en fait, il va te melt le knock-up. Mais il sera repoussé derrière. Ok. Ouais, c'est tout un système de timing. Il y a un peu la même chose avec Vi. Mais du coup, ça va être quand même compliqué pour Betty là-dessus de mettre des bons ultis d'Azir. Parce qu'il va falloir cancel l'ulti de Malphite, l'ulti de la Vi et aussi le Kalista Kennen. Du coup, il y a quand même beaucoup de choses à temporiser. Il va falloir être très très précis sur le timing de la partition impériale. On va voir justement. On va lui faire confiance à Betty. On va croire dans sa capacité à faire la différence avec ce spell. Effectivement, ça va être un. Ça va être quelque chose de très très important. Betsy donc qui est parti sur une barrière pour cette game, pour faire face aux bursts de ses adversaires. Bon, la composition Mousy Sport, c'est quand même très solide, hein, Tech. C'est-à-dire que s'il passe derrière, il risque d'éprouver d'énormes difficultés à faire la différence. Par contre, c'est vrai que s'il snowball derrière, ils ont une capacité d'engage qui est monstrueuse. Face au pile des Gambits, ça va être intéressant. C'est pas une draft hyper commune que nous proposent les Mousy Sport. Non, c'est même peut-être un petit peu cheesy là-dessus. Vraiment du hard engage. Partir sur. On espère que ça se passera bien en early game pour après pouvoir forcer des fights en permanence sur le reste de la partie. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que, comme tu disais, si tu pars derrière en early. Et jusqu'à maintenant, les Mousy Sport n'ont pas forcément montré un laning suffisamment solide pour contrer notamment la Kabosh qui a été excellent en lane. Et Pinoy aussi, hein, toujours aussi solide. Il faut se méfier là-dessus. Après, en termes de catch par contre, quant à Harry, Malphite, Vi, le 3v3, il est quand même largement à ton avantage. Bah c'est vrai qu'au niveau des dégâts, ça envoie du côté des Mousy Sport. Et on a en plus de ça hyper mobile, hein, ce qui peut faire la différence. Mais... sincèrement, la draft Gambit, elle est loin d'être mauvaise également en escarmouche. C'est un peu plus classique. Et au niveau de la mobilité, c'est pas mauvais également, Tech. Donc, c'est vrai que les Mousy Sport, ils ont un coup à jouer. Mais si jamais il y a quelques loupés de leur part, ça risque d'être compliqué. Ouais, effectivement. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur là-dessus. C'est la Kalista qui tanque le plus là-dessus. Du coup, les Mousy Sport qui vont partir sur un swap. En mettant leur duel lane au top, laisser la Kalista tranquillement farm, forcément. On n'a pas envie de se retrouver face au Corki Thresh. Une duel lane qui fait vraiment, vraiment mal. Et Kabosha qui va récupérer le blue buff là-dessus. Demon Prox lui laisse beaucoup de ressources. On sait que c'est un joueur qui peut carry, donc en général, on investit beaucoup du côté des Gambits sur le top laner Kabosha. Dan, Binzu dans la jungle. Ouais, surtout sur un pick Fizz. Hein. Ouais, le pick Fizz qui peut vraiment carry largement. Et les Gambits ici qui sont plutôt pas mal. Hein. Ils ont construit une grosse vague de creep très rapidement. Kabosha qui va venir les aider pour ce push. Et cette première tour qui va tomber rapidement à l'avantage des Gambits. Là où les Mousy Sport me semblent un petit peu plus en retard là-dessus. D'ici quelques vagues. Hein. Ça va tomber assez vite, je pense. Quasiment un tiers de vie sur la tour en moins. Et Binzu qui se dirige également du côté de la top lane. On va faire la même chose pour ces Mousy Sport
ils vont arriver avec un peu plus de sbires quand même pour la push cette tour, et notamment le sbire canon qui est vraiment important effectivement pour ce genre de phase de jeu. Ils ont été moins pressés là-dessus, les MOS eSports, et du coup ils vont mettre plus de dégâts plus rapidement. Du coup, peut-être à l'avantage effectivement des MOS eSports là-dessus. Quoi que, ce que je pensais. Les Gambits qui sont allés très rapidement. Bon, toutes les vagues de farm sont deny. Allez, dans tous les cas, Tech, on aura le droit à des T1 qui vont tomber. Ouais, ça va tomber à quelques secondes de décalage, tout ça. Pas de gros de grosses surprises à ce niveau-là en général. C'est ce qui se passe en, en duo. Et Binzu, voilà, qui va essayer de deny le maximum de farm. On va lui laisser toutes les golds également au top laner des MOS eSports, les Gambits, eux qui décident de partager là. On fait pot commun au niveau de cette tour. Ouais, le fils a déjà récupéré un blue buff. On va pas en plus lui donner de l'argent d'une tour toute seule. Il y a des limites. Et pendant ce temps, c'est la vaille de Dan qui a pu un peu sécuriser une bonne partie de la jungle des Gambits. Il a pu prendre le Gromp et les loups qui n'avaient pas encore respawn malheureusement. Du coup, c'est juste un petit peu de style là-dessus. Et Diamond Prox, il s'en sort très bien. Hein. 13 creeps partout pour les junglers. Égalité. Et balle au centre au final, hein. Une tour partout aussi. Et les Gambits qui envoient leur duo lane du côté du top pour aller justement peut-être chercher un peu de gold rush. On est en train de jouer plutôt macro game côté Gambit, plutôt rotation. On va voir ce qu'ils peuvent en tirer justement du côté des MOS eSports. Pareil, on a renvoyé la Kalista et le Kennen vers le bot. Et maintenant, voyons voir ce que des équipes arrivent à faire à ce niveau-là. Ghost du Pepper, peut-être, pour un gank sur Binsu. Binsu, niveau 3, Binsu. Attention. Attention, il va y avoir un flay. Le flay qui touche. Là-dessus, il y a trop de creep pour le grab qui ne sera pas follow-up là-dessus. Mais ça fait quand même pas mal de deny. Binsu qui est obligé de back, de lane très très loin et de perdre un petit peu d'XP là-dessus. Oh, Diamond Prox, pas mal quand c'est du back là-dessus. On fait perdre un petit peu de temps. Et on va pouvoir en plus counter jungle là-dessus. Mais bon, ça c'est forcé, hein. Une fois que tu as commencé en bot lane et que tu swaps ta duo lane, tu perds forcément le dragon là-dessus. À moins d'avoir pris l'initiative avant. Ouais. Mais ce ne sera pas le cas. Les Gambits là qui se dirigent tous du côté de la top lane. On va essayer de tuer Binsu. On va essayer de mettre Kabocha dans les meilleures dispositions face à ce Malphite. Ah, on est parti maintenant. Gozu Pepper, Pinoy. On va rapidement se mettre au travail sur cette tower. Et Kabocha qui rejoint le gros des troupes Gambits. On voit dans et les par stats. Contre, regarde, la Rexha de Diamond, pardon Tech, elle est du côté du mid encore une fois. Il a posé beaucoup de vision Diamond Prox pour son équipe. Ouais, il aide vraiment à maîtriser le partie haute de la carte. Et oui, j'étais en train de voir dans les statistiques données, les Gambits qui donnent vraiment très peu d'importance aux dragons. Dans toute leur game, ils n'ont jamais été jusqu'au 5ème Drake. Et à partir du moment où tu ne vises pas ce très late game, c'est normal de ne pas focaliser sur les dragons en face. Ils servent plus à empêcher l'adversaire de le prendre plutôt que vraiment les avoir pour soi. Après, il faut quand même pas deny non plus les premiers buffs. Le premier, 6% d'AD, ça reste quand même très intéressant. Ensuite, on a les dégâts sur les tours en deuxième buff qui sont aussi très intéressants, notamment pour les phases de siège. Et après, les dégâts sur les creeps un peu plus tard qui ont moins d'intérêt. Je pense que généralement, les teams qui ne veulent pas aller jusqu'au Dragon Slayer s'arrêtent à 3. C'est les buffs vraiment intéressants. Ouais, le troisième avec le troisième avec mobilité, effectivement. Quelle que soit ta composition, speed push, engage, disengage. Ah, c'est toujours utile, un boost de MS. C'est une stat qui est très très forte, la MS, et qui en plus n'est pas forcément disponible sur énormément d'objets. Il y a quelques objets d'attaque speed qui la donnent, mais sinon c'est que les boots. Et du coup, la mobilité. Mais sinon, des actifs. C'est ça. Sinon, c'est des actifs. C'est pour ça qu'on voit autant de gloire du juste, autant de pièces runiques et ce genre de petits gadgets qui font souvent une grosse grosse différence. Il y a la plaque du mort maintenant, c'est vrai. 5.16. Ouais. Non, on est en 5.15. Avec les charges et l'or, mais ouais, là, on est en 5.15. Mais effectivement, ouais. La plaque du mort qui permet d'arriver comme une brutasse. Ça fait vraiment. Diamond Prox. Sur Binsu. Binsu qui est deny. Là-dessus, les bons dégâts de la part de Diamond Prox. Binsu réplique. Oh, il a le buff. Et on deny. Hein. Oh, j'ai l'impression. Oh mon dieu, ça freeze. Binsu risque d'avoir beaucoup de mal là. Encore une fois, Gambit qui arrive. Oh, il faut pas push là, hein, du côté de Binsu. Enfin, quoique. Mais ça peut le mettre en danger face à Diamond Prox. Non, mais c'est pas mal à ce qu'il a fait Diamond là-dessus. Petite agression qui permet vraiment de focaliser un petit peu d'attention des creeps sur lui. Surtout ce Fizz, il est niveau 5. Il a beaucoup de farm qui arrivent. Le Malphite est toujours niveau 4. Ça sent le niveau 6 très rapidement pour Kabochard. Et derrière, le fight. Hein. Ouais. Parce que Kabochard, s'il est niveau 6 contre un Malphite niveau 5,
À mon avis, il va y aller. Et du coup, il faudrait que la vie de Dan soit présente peut-être pour, pour pallier à cette situation du côté du top. Mais c'est Diamond Prox, c'est le jungler Gambit qui se trouve sur la top lane. Regardez, Binsu est encore une fois obligé de reculer face à la pression imposée par Diamond Prox. Dan qui lui continue du côté du bot side de la map. Mais est-ce qu'ils ont raison, c'est Mouse Esports? Dan, je pense qu'il veut très vite aller chercher son niveau 6 pour essayer de gank. Ouais. Mais à côté de ça, il a un Malphite qui est vraiment en difficulté là, Tech. Après, c'est un Malphite. On peut toujours penser qu'il va, il sera utile quoi qu'il arrive. Il a juste à faire un bon air en fight. C'est vrai qu'il a moins besoin en tout cas d'argent que, qu'un Fizz. Mais là où le timing des Gambit est très bon, comme tu te précisais effectivement, c'est le digne niveau 6 du Fizz. Voilà, il vient de passer niveau 6. À ce moment, le Fizz, du coup, Benzu ne peut juste plus du tout aller, aller laner contre lui. Et Dan qui est quand même arrivé au bon moment là-dessus, il va pouvoir sécuriser son red buff. Et quand Diamond Prox qui va back, du coup ça va. Binsu qui est plutôt safe là-dessus, il ne va pas se faire all-in tout de suite. Et au final, c'est plutôt payant pour les Mouse Esports, ce petit trade. Diamond Prox ici qui va voilà, récupérer lui de ce côté son red buff. Il devrait passer aussi assez rapidement niveau 7. Regardez Kabocha, il a son 6 là justement. Ouais, il a déjà passé son 6. Après on a quand même la vaille qui a son red buff qui était pas très loin. Ça y est, elle est en train de repartir, mais ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas encore la vision cette vaille. Tout le bon map contrôle posé par Diamond qui a disparu dernièrement. Attention, attention. Pas mal de dégâts quand même avec ça arrive. Si, hein, super présent au niveau de son duel contre Jinx. Et vraiment le millénaire des Mouse Esports qui galère pour l'instant à revenir au niveau du farm. Au bot, on a un Pinoy, un Gozy Pepper qui commence à avancer là sur cette bot lane. Et Cédrillon et Mountain bien, sont forcés de reculer, bien qu'ils dirigent au niveau du farming. Attention, attention, Dan, Diamond, Betsy. Qui réagit, c'est pas mal fait. Par contre, le TP de Kabocha derrière qui va suivre. Il s'est fait complètement deny là-dessus, Dan. Derrière, malheureusement, le trade multi de la part de Pinsu sur deux joueurs des Gambit. C'est le kill qui est récupéré par Mountain sur Gozu Pepper, Pinoy, le chase de la part des trois joueurs Mouse Esports. Il y a du backup. Betsy, Kabocha sont présents. Kabocha sort de la charge. Le fish en faveur du Frenchie. La Kabocha qui va venir à bout de Pinsu. Derrière, regardez Diamond Prox qui flanque. Diamond Prox met en difficulté. Sandrio, Mountain, Betsy, quelques dégâts. Le slow, Kabocha qui flanque. De nouveau, Kabocha, est-ce qu'il peut trouver les dégâts? Ça semble compliqué ce dive sur les deux joueurs Mouse Esports. Et on va s'arrêter là au niveau du dive, mais pas forcément pour la pression sur la tour. Les Gambit qui vont chercher à mettre quelques dégâts là-dessus. Mais il faut back désormais Tech parce que Dragon revient dans 50 secondes. Ouais, le très bonne ici intervention des Gambit. Ils ont réussi à complètement annihiler le langage de Dan sur sa vaille. L'ultimate de Betsy était parfait. Et derrière, malgré le bon TP de Binsu, on arrive à prendre que le support et on perd énormément du côté Mouse Esports, surtout qu'on n'a plus aucun summoner sur la Kalista qui va calculer. Attention, le vache out direct de Jinx là-dessus. On empêche le bureau de Diamond Prox et ça va être à nouveau un flash pris sur un des carries Mouse Esports. Là-dessus, le prochain dragon risque d'être compliqué pour les Mouse Esports. Ah, c'est clair que avec la situation actuelle, on a des Gambits vraiment. Vraiment confiant, j'ai envie de dire. Puis cette dent de Nashor hein, du côté du Azir Tech qui a permis de faire de gros dégâts, je pense. Ouais, effectivement. Betsy qui est parti vraiment classique, hein, dent de Nashor first maintenant. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette trinité quand même, le Corki en même temps. On n'est même pas dans le jeu. Il a fait quand même sur une vaille. Ça fait très mal tout dans la partie, une vaille. Surtout qu'elle a fini son Warrior là-dessus. Du coup, beaucoup de dégâts. Mais elle est super squishy. On notera quand même que Betsy a loupé sa partie impériale hein, sur le gank. Qui le visait, ça n'a pas empêché les Gambit de tuer la vaille de Dan, mais quand même, attention Betsy, les parties impériales, on l'a dit, c'est important, parce que les Mouse Esports ont pris deux champions qui peuvent passer au travers du wall de Azir, et c'est sans doute pour ça justement qu'ils ont laissé le champion, ils avaient une idée derrière la tête, Tech. Après, est-ce que ça suffira à l'emporter contre les Gambit? Rien n'est moins sûr. Ça va être compliqué, effectivement. Attention, on va peut-être tenter. Ici, le steal qui ne sera pas fait. Dan qui le sécurise d'un bon smite. Et du coup, les Mouse Esports qui passent à 2, Drake à 0. Betsy qui va tenter de mettre un petit peu de pression sur cette tour. Et les Gambit qui vont compenser, tout simplement, le deuxième Drake contre une T1 mid. T1 mid très importante. Ça ouvre complètement la jungle des Mouse Esports. Et ça va permettre aux Gambit d'avoir une plus grosse présence sur la carte. Et peut-être à Diamond Prox justement de pouvoir s'aventurer de façon un peu plus conquérante dans la jungle de ses adversaires avec sa Sightstone. On allait poser de la vision, on essaie de siège du côté des Mouse Esports, mais
compliqué quand même. Diamond Prox tient la baraque là avec Sarexa, et bien qu'ils prennent beaucoup de dégâts. Il commence à être tanky, le jungler des Gambits. Il a un bon pool de points de vie à proposer. Et du côté du top, Kabocha, il est parti sur une phase de freeze de lane. La question c'est quand est-ce qu'il va lancer la lane? Quand est-ce qu'il va décider d'inverser la tendance tech? Parce que pour l'instant, les Mouse Sport, regarde, les Mouse Sport au niveau des lanes. Si le Azir de Betsy arrive à tenir le mid, les Mouse Sport ont deux lanes mortes. Ça sent compliqué. Flash ulti de la part de Binzu. Betsy va tomber, Gozu Pepper également. Bon, alors là, forcément, la violence de langage était là du côté des Mouse Sport. En fait, ils n'ont pas laissé les Gambits juste en pot récupérer le farm sur les side lanes et autres. Ils ont dit, ah bon, vous n'êtes pas paqué, très bien. Eh bien, on vous punit. Et du coup, deux kills en faveur des Mouse Sport qui passent devant au compteur et au goal. On n'est plus très loin sur cette action. Ouais, effectivement, les Mouse Sport qui vont récupérer un petit peu de goal grâce à la récupération de cette Thermite qui ouvre à nouveau aussi du coup la jungle des Gambits. Ils ont vraiment une composition qui est faite pour ça, hein. C'est du catch ultra violent, vraiment une espèce de cheese. C'est de récupérer des kills rapidement avec beaucoup d'engage. Ils ont quand même craqué deux flashs là-dessus, deux ultimates majeurs de teamfight, à savoir l'ultimate de Malphite et l'ultimate de Kennen. Pour récupérer un Azir, pauvre petit Azir qui n'a même pas lui pu utiliser sa partition impériale. Du coup, on va pouvoir toujours avoir un 5v5 pour l'ensemble des Gambits qui est au-dessus. Mais bon, l'avantage des Mouse Sport, c'est qu'il n'y a pas d'objectif majeur à contrôler tout de suite. Du coup, a priori, pas de teamfight. Ils devraient récupérer leur cooldown avant. Et on a des Mouse Sport, du coup, qui voilà, nous ont montré pour la première fois l'efficacité potentielle de leur composition. Alors il va falloir continuer à le faire, hein. Mais Betsy va bientôt retrouver son flash. Après, sincèrement, le flash ult du Malphite a aussi courte distance. Bon, ça se flash, mais il faut quand même avoir un bon réflexe de Ninja Tech. Bah, je pense qu'il faut réagir à la frame, tout simplement. Et c'est assez compliqué. Forcément, la collision qui est récupérée dans la river topside. Et t'as vu, hein, Kabochar qui est parti sur une petite dente Nashor. Je trouve ça intéressant parce qu'il joue contre un Malphite. Et du coup, ouais, il joue plus de l'AP, ouais. Ouais, il joue un peu plus d'AP. Je trouve qu'au niveau de l'adaptation, il y a quelque chose qui est intéressant de la part de Kabochar là-dessus. Ça a effectivement pas mal de sens. Il va continuer à mettre beaucoup de dégâts en plus, beaucoup d'attaque speed sur cet item. Sur le téléportation de Kabochar, on va essayer de forcer le... Ouh, attention, Binzu qui se fait attraper là-dessus. Le char qui va toucher, il va mourir, Binzu. Il va mourir. Il a pu mettre un ultimate, c'était un peu par dépit. Ça servira pas grand chose. Ouais. Et là-dessus, les Gambits vont se mettre en position de siège tech avec le Azir et le Corki. Ils ont quand même une très grosse force à faire valoir. Un Corki qui ne va pas être en position. Le problème. Sur cette bot side, il essaie de push deux tours en même temps. Il y a quand même un clear qui est intéressant du côté des Mouse Sport, notamment avec cet Ari. Mais les Gambits n'ont pas dit leur dernier mot. On est parti, comme tu le disais, tech, sur cette bot lane. Et on va tenter de récupérer cette T2, est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas de TP actuellement là sur Binsu. L'objectif ça va être vraiment d'essayer d'out-rotate les Mouse Sport. Attention, il s'est fait catch complètement. L'ulti de Kalista qui permet de sauver Betsy, le support Betsy part sur Imperial peut-être. Non, il la mettra pas finalement. Attention, ça flash massivement là. Pinoy se retourne et apprend le duel. Le juke du bisou d'Apa Pinoy. Les Gambits se jettent sur Cédrillon et vont venir à bout. Cédrillon qui tombe. Cédrillon qui a voulu faire une espèce de hero move là-dessus. Et je rêve pas en fait. Le Malphite de Binzu, il avait TP. Il a TP. C'est pour ça qu'il est mort. Effectivement. Assez étrange. Attention, Pinoy va pas se faire attraper là-dessus. Tu pourrais prendre un petit peu de stun et ça va. Il a pu mettre la Valkyrie avant pour s'en sortir. Pinoy, plus de mana, c'était dangereux. On va revoir ce fight sous tour. Il a très bon engage sur Mountain qui prend beaucoup de dégâts. Mais là, voilà, le Kalista qui sauve complètement. Ouais, Betsy, il faut qu'il fasse attention vraiment au niveau de ses positionnements. C'est vrai qu'il a même pas eu le temps de mettre une partition impériale. Mais est-ce qu'il a assez de mana, ceci dit, maintenant? C'est Lion qui prend un grab derrière. Ouh, attention, par contre, là, cette fois, c'est Binzu qui s'est fait attraper encore à nouveau. Encore Binzu qui tombe, là, pour les Mouse Sport. Troisième mort pour le solo laner des Mouse Sport, qui se voit un peu trop beau en permanence, beaucoup trop avancé, alors que sa team n'est pas en mesure de suivre. Attention à ce genre de move. Vous avez une composition qui est faite pour catch, mais si vous faites catch avant, bah, ça marche beaucoup moins bien, forcément. Et regarde les Gambits, tu sens les enseignements du père Shones là. Mass Pink Ward,
et ils vont commencer à contrôler les objectifs. Tout le monde achète et derrière on prend la position au niveau de ce dragon Gambit qui va commencer à se positionner au niveau de cet objectif. Et là on va voir, est-ce que les Mozisport peuvent aller chercher le fight? Il commence à être tanky hein, quand même Diamond, on voit énormément de points de vie là-dessus. Il prend très peu de dégâts de la part du Kennen forcément. C'est un support très peu d'AP. Et pour l'instant, c'est les Gambit qui sont mieux positionnés. En plus, on va récupérer le Carapateur, ce qui va permettre d'avoir pas mal de mobilité dans la rivière. Les Moxie Sports qui vont commencer à avancer. Attention, Gozu Bowser. Il est tout seul, Gozu. Attention, Gozu, il va se faire attraper. Il va se faire one shot. Il s'est fait one shot, Gozu Pepper là-dessus. Mais les Gambit ont pu sécuriser ce Drake. Ils vont pouvoir disengage. Alors là, attention, quel va être le choix des Moxie Sports? Est-ce qu'on décide de push la mid lane? Ils partent de loin quand même. Et le Nashor n'apparaît que dans une minute tech. Donc ils peuvent même pas se dire allez on force un Nashor, on essaie justement d'obliger les Gambit à fight. Non, même pas. Du coup une de leurs seules options c'est essayer de poser un peu de vision, counter un blue buff. Maigre butin quand même pour ces Mouse Esports. C'est ça, ils récupèrent les objectifs qu'ils peuvent, un petit peu de farm dans la jungle adverse. Le map control, la position sur la carte. Oh, attention, on va se faire un catch par contre là-dessus, ils sont vus. Non, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Et les Gambit qui vont juste se repositionner tranquillement. Ils perdent un blue buff contre un buff Nashor. Personnellement, on me proposerait l'échange, je le prendrai avec plaisir. Et du coup, c'est Dragon qui va continuer ici. À peu sur cette top lane. Attention, on passe from le 1v1 par la caboche. Là-dessus, le fils qui est très très bien dans sa game. Il a sa brillance, il a sa dent de Nashor. Oh là là, Rick subit vraiment tellement. Pourtant, il a 1-0-2 Jinch. Mais c'est vrai que face au Azir, dans ce genre de phase de jeu, tu es un peu impuissant quand même avec Harry. Soit tu mets un bon charme, soit derrière ça sert à rien. Regardez la range et le zoning de Betsy. On va les récupérer. La T2 au forceps du côté de ces Gambit. Diamond Prost continue également à avancer. Attention à une éventuelle fiche et un dive de Cabochard. Cabochard, la présence de Diamond Prost également. Cédrillon forcé de reculer là-dessus. En plus, il n'a pas son support hein, près de lui. Il ne peut pas utiliser son ultimate là-dessus. Et du coup, ça va être une autre T2 qui va tomber gratuitement pour les Gambit Gaming. Qui ont une belle capacité à rotate dans cette partie. Là-dessus, le premier tour qui a été pris juste à deux joueurs. La pression qui est vraiment maintenue sur la carte. Ou par contre, on pourrait avoir Binjulasi qui pourrait essayer de se venger. Non, ça va. C'est disengage tranquillement par les Gambit. Ils ont fait leur petit vol. Une tour de détruite, mais fait accompli. Et on repart tranquillement. Même deux tours de détruite hein, pour les Gambit sur cette phase de jeu. Ça leur permet de largement mener. Maintenant, justement, au compte de tour. Et ils ont toujours cette domination au niveau des golds. Et là, Cabosh, maintenant, il a une top lane complètement libérée en termes de tour. Il va pouvoir mettre de la pression sur la T3 et tenter de split un peu, tenter d'aller chercher ses adversaires en 1v1. Il va back là, il a 3-0-0, 150 de farm. À 21 minutes, il est vraiment bien dans sa game. Il va pouvoir finir potentiellement. Et il va pas finir son Lich Bane, il va plutôt préférer prendre un élixir là-dessus. Oh, donc ça veut dire que les Gambit vont essayer de mettre de la pression là, peut-être pour ce Baron Nashor. Ouais, le Baron Nashor qui pourrait effectivement être le prochain objectif visé par les Gambit. En tout cas, c'est ce que le stuff de ce petit Cabochard nous laisse supposer. On a bientôt en plus fini hein, le Rabadon sur le Azir, ou sur un Luden, potentiellement. Il pourrait y avoir les deux possibilités. Est-ce qu'il va back Azir? Est-ce qu'il a back récemment même? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention, j'avoue. Non, non plus. Du coup, ouais, bon, les Gambit sont en position, la tech. On va prendre la vision, voilà, dans la partie haute de la jungle. Des Mouse Esports, vraiment essayer de nidaille complètement la vision. Attention, des Malphite, adversaires. Le Malphite de Binzu. Pour une percée, peut-être. Il n'en est pas à son coup d'essai, Binzu. Il va se refaire attraper tout seul, Binzu. Par contre, cette fois-ci, il y a sa team qui peut aller aider. Le seul éliminant là-dessus, c'est Gozu Pepper qui va en payer les frais. Certes, mais attends, derrière, les Gambit peuvent en profiter. La partie en perd de la part de Betsy. Derrière le Goin, Betsy qui va tomber. Betsy qui a tombé. Pino est isolé également. Le gros all-in des Mouse Esports qui passe là-dessus. Attention, le Goin, Jinch qui va tomber peut-être. La Cabosh qui prend le kill. La Cabosh et Diamond Prince qui continue. Le duo infernal, Gozu Pepper, le chase de Dan. Mais il risque d'aller prendre le kill là-dessus. Les Gambit Gaming Quadra kill pour la Cabosh. Cabochard ici. Que Binsu du côté des Mouse Esports. Ouais, Cabochard qui retourne totalement le fight. La backlane des Gambit et des Gaming qui s'est fait complètement enfoncer par la hard engage des Mouse Esports. Mais voilà, Cabochard derrière qui était tellement bien dans sa partie et qui avait son élixir. On voit hein, le grab sur Binsu, ça ne suffira pas derrière.
Letty qui est obligé de flash out. Letty de Mountain qui touche pas à cause du paper. C'est enfin Letty de Kalista du coup. On voit Cabochard qui arrive derrière. Cabochard qui va pouvoir juste assassiner Cédrillon. Cédrillon laissé seul. Toute son équipe s'est ruée sur les carrés adverses. Et là, le flash-in de Jinx. Honnêtement, le flash-in de Jinx, il est vraiment horrible. Et derrière, derrière les Gambits qui déroulent avec un Diamond Prox super tanky. Ouais, effectivement, Diamond Prox. Oula, attention, un nouveau catch là-dessus sur Mountain qui va pouvoir ouvrir complètement et gratuitement le Nashor pour les Gambits Gaming. A priori, c'est ce qui va se passer. Et les Moxie Sports qui subissent largement la pression d'une team qui a l'air largement supérieure. En tout cas, en termes de rotation sur la carte et de mouvement. Les Moxie Sports ici qui n'arrivent pas à suivre le niveau LCS. Ouais, puis ils sont abonnés un peu au catch, hein, et voilà encore un. Bon, cette fois-ci, il fallait faire échec, j'ai envie de dire, mais c'est la conséquence, un peu ce qui se passe tout à l'heure, et Cabochard qui prendra le kill, Diamond Prox, le slow, Dan, est-ce que Diamond Prox a un tunnel? Le sondeur, là. Et du pick-up à foison du côté des Gambits. Ça va continuer, voilà, on va partir sur ce Nashor du coup. À chaque fois qu'on se loupait cancel, on tue un nouveau joueur Moxie Sport et du coup le prochain Nashor, enfin la prochaine tentative de Nashor est encore plus simple. Et c'est ce qui se passe là-dessus, attention Cabochard, par contre tu n'as plus que 200 HP. C'est peu, c'est très très peu. Il le back toujours pas Cabochard, il attend peut-être le buff Nashor. Voilà, pour back plus vite. Habile. Bonne connaissance du jeu de la part de ce laner. Et du coup, Bexiba qui va récupérer son blue buff. Les Moxie Sports qui vont se consoler avec ce dragon. Troisième buff pour eux, l'AMS. Qui est certes intéressant, surtout quand tu as une composition aussi hard engage. Mais face à ça, bah, t'as un dragon d'Ashor. Enfin, un baron d'Ashor, pardon. Et puis le fils se balade aussi. Hein. Sincèrement, le fils de Cabochard. En AP là. On a su s'adapter du côté de la caboche. Ouais, toujours. Hein. Le Zonia fini. Il a pas fini son Lich Bane du coup. Garde juste la brillance. Juste avoir le léger burst supplémentaire. Mais pas besoin, il veut surtout de la paix, pouvoir assassiner Cédrillon comme il l'a fait précédemment. Ça s'est plutôt bien passé pour les Gambits du coup. Il est à 8-0-1, ce qui est quand même, on va dire, un score correct. C'est pas trop mal. Attention, peut-être le cas. Oko Super, joli flay, le grab qui est enchaîné sur Mountain. Derrière, regardez, Diamond Prox, on va viser Mountain, le Maelstrom. Et regardez, le fils de Cabochard qui rentre dans la mêlée. Jinx, la position impériale de Belty. On va avancer la coupée du côté des Gambits. Dan qui va tomber. Binchu et Mountain sont obligés d'effectuer la retraite là-dessus. Et Jinx est peut-être laissé. Il va tomber au champ d'honneur. Cabochard. Oh, Cabochard, ça se joue à pas grand-chose. Le petit shield au cas où. Double kill en faveur de Betsy. Et on va pouvoir push là-dessus. Pinoy qui en profite. Il n'avait pas participé au fight. Pinoy, il n'avait pas besoin d'être présent. Les Gambits, là, tu sens qu'ils sont supérieurs quand même. Ils se baladent. Clairement. Et dans des configurations où... Enfin, les Moxie Sports, ils sont pas bien organisés. Tu sens que l'équipe, elle est... C'est pas du top niveau, hein, côté Moxie Sports. Les Gambits sont meilleurs en termes de mécanique. Et puis surtout, ils sont meilleurs en termes de stratégie. Vraiment, les rotations sont très bien gérées. On sent vraiment la patte du Shaunzi. Le petit, un petit bout de pain à la fois qui a été complètement appliqué par les Gambits. On ne prend que ce qu'on peut le prendre, mais par contre, on le prend bien et on n'hésite jamais. Les Gambits ici qui sont solides. Et qui mènent de 10k gold désormais, tech. Ouais, ça commence à peser, hein. 10k gold à 26 minutes de jeu. On pourrait avoir une game qui se finit quasiment aussi rapidement que la première. Avec la 26 minutes de jeu. Ouais, un prochain teamfight et c'est fini, hein, potentiellement. C'est ça. On se rapproche de la fin de la partie. Un petit trap de la part de Cabochard. On va tenter, on va essayer de reprendre un catch sur Binzu. Non, c'est Diamond Prox qui est tout seul. Cette partie haute de la carte. Jinx, attention, il va se rattraper là-dessus. Non, c'est bon. Il est aidé. Il y avait Mountain pas loin. Et Diamond Prox, forcément, qui a été un peu chercher des noises. Il vient de récupérer son TP, Cabochard. Donc il peut continuer à speed push au bot et il va pouvoir rejoindre ses coéquipiers au cas où sur le top side de la map. Foot, Jinx, quoi. Ouais, là ça va être compliqué, hein, pour les Moxie Sports. Pression au mid, pression top, pression bot. Comment vont-ils s'en sortir? Ils ne s'en sortiront sans doute pas, Tech. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer, hein, pour l'instant. Ça sent quand même bon le 2-0 pour les Gambits. Et le pronostic du 3-0 est en marche. Ouais, c'est bien parti, en tout cas pour les Gambits, qui montrent vraiment une maîtrise supérieure sur tous les plans du jeu. Et puis non, ils continuent à mettre pas mal de dégâts. Sur cette T3,
au top. On va essayer de le gagner parti du coup. Damon Prost qui retient là-dessus avec le bureau. Il est suffisamment tranquille. Damon Prost qui n'a peur de rien. Derrière lui, la part de Binzu. Regardez, il y a un passif de Azir derrière. La partition impériale. Maintenant, les Gambits de nouveau qui peuvent avancer suite à l'ulti de Betsy. C'est le cabochard qui est juste mort de rire là-dessus, je pense. Et qui s'amuse un petit peu. Il est stoïque. Stoïque. No All care. Planes. C'est ça. Ok. En tout cas, un deuxième inhibiteur qui est récupéré pour les Gambits. Oh, il troll un peu quand même, Cabochard. Là, les petits. J'espère qu'il va faire sa larme de la DS. Hein. Ah, pour la fin, évidemment. Peut-être, pourquoi pas, une épée occulte. C'est beau, je l'ai pas occulté sur Fizz en fin de partie là-dessus. Ça pourrait être aussi une stratégie gagnante pour Cabochard. Après, ce serait dans le build d'un joueur qui a gagné une game à niveau pro, t'aurais une épée occulte et du coup tout le monde dans son locus se mettrait à la faire. Ce serait très drôle et du coup tu pourrais rouler sur tous les Fizz top qui n'achètent pas suffisamment les bons items tout simplement. Et c'est facile maintenant pour les Gambits, il suffit de se regrouper sur la bot lane et de profiter de la pression que font peser ces deux inhibiteurs détruits. Un Moses Sport qui va sans doute devoir livrer son dernier combat dans cette deuxième game. Combat qui semble ingagnable pour l'instant Tech. Ouais, c'est effectivement perdu d'avance pour les Moses Sport. Même avec un excellent engage, je pense pas qu'ils seront capables de tuer toutes les menaces Gambit Gaming. On a quand même Cabochard qui fait très très mal. Damon Prox qui est extrêmement résistant. Betsy qui pourra être placé vraiment en retrait, assez loin du combat. Et toujours Pinoy qui peut aussi mettre des grosses baffes avec son corps qui, mine de rien, il a 3 items. Et il a l'épée occulte justement, Pinoy. Ouais. Ouais, il l'a, ouais. Donc, il l'a. Ok, bon. Je pense qu'il est là à peu près le niveau de respect. Ouais, il est entre épée occulte et Medjay, c'est-à-dire le niveau 0 du respect. Et les Gambits qui vont pouvoir continuer. On cherche Léviathan. Cette fois-ci, Binsu qui se fait outplay sur son ulti. Dan qui se fait marcher dessus par les légions de Shurima, Cabochard, le dive, l'ulti et le Zonia Mountain qui va tomber malgré son ulti. Double kill pour Cabochard. On enchaîne sereinement et on conclut cette deuxième game en 30 minutes encore une fois, Tech. C'est le timing. Voilà, ils sont vraiment... Ils ont un train à prendre, les Gambit Gaming. Ils ne veulent pas dépasser plus de 35 minutes de jeu par partie. Et pour l'instant, ils sont plutôt bien. Et les pronostics qui s'annoncent assez gagnants. C'est salé. En tout cas, on sent vraiment la maîtrise supérieure des Gambits là-dessus. Qui arrivent à un niveau de jeu qui vaut largement les LCS. Là où les Moss Esport manquent encore un petit peu d'expérience. Manquent encore un petit peu de decision making. Et... petit manque aussi, je pense. Ils ont tenté la draft anti-Azir. Ouais. Avec le Malphite, avec la vie. Il y avait de l'idée, mais bon. Mais il y avait un Cabochard en fait. Ouais, au niveau de l'exécution, ça n'a pas toujours été bien réalisé. Et il faut avouer que les Gambits ont plutôt bien mené leur barque sur cette game. Avec un excellent Cabochard, effectivement. Ouais. Les fights en général très bien maîtrisés. Et un Diamond Prox également hyper présent. Il était très tanky, très présent. Beaucoup de fois, il a été capable. C'était le seul tank de son équipe. Ouais, mais il l'a bien fait hein, à chaque fois. Donc, comme tu soulignais, le bureau pour complètement annihiler le langage, que ce soit Mountain ou que ce soit n'importe qui en face qui voulait aller sur sa backlane, c'était très bien fait de sa part. Du coup, 2-0 pour les Gambits, qui sont bien partis a priori pour partir sur un 3-0. Moses Sport qui doivent maintenant se sortir un petit peu les doigts. Ouais, le contraire m'étonnerait honnêtement si Gambit ne 3-0 pas. Là, je serais quand même relativement surpris. Donc on va vous laisser pour une petite page de publicité et on reviendra ensuite pour la troisième game de ce BO5 et dernière game potentiellement de la journée. Ouais. Voilà, tout simplement. Sur ce, page de pub et à tout de suite pour la troisième game de 0 pour Gambit pour l'instant. Et on est de retour pour la troisième game de ce BO5. Plus dur à faire le. Apprenez à compter avec Gips. 3 comme ça ou 3 comme ça. 3 comme ça, c'est plus. Non, ça va comme ça. Bah, en fait, quand tu sors de ça, c'est. C'est le lâcher du milieu, tu vois. C'est vrai qu'il y a des transitions qui sont pas forcément évidentes. Voilà, ça c'est pour. Ouais, mais vous savez pas, mais Passepartout, il a dû travailler son geste. Hein. C'est vrai. Ça vient pas naturellement pour que ça marque autant de gens, c'est sûr et certain. Du coup, 3-0, Tech.
en faveur 2-0 pour l'instant. 2-0 pour 2-0 en besogne. Presque 3-0 pour Gambit. Bientôt sent bien que là ils ont les faveurs des dieux dans ce BO et que les LCS attendent leur retour. Ouais, les faveurs des dieux ou pas. Ou peut-être juste que les Gambits sont meilleurs, potentiellement. Ça pourrait être aussi une explication. Effectivement. À ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, Worsh qui demande, est-ce qu'on commente les Pain Gaming après? Non. Non. Non, on s'arrête là après. Voilà. Ils en sont où d'ailleurs, Pain Gaming? C'est la deuxième game qui va commencer. Il y a 1-0 pour les Pain pour l'instant. Très bien. Ah. Du coup. Excellent. Du coup, c'est très bien. C'est très bon pour nous. En tout cas, pour les gens qui ont envie de voir Dude au Worlds, en tout cas à Paris, et ben c'est déjà une bonne chose. Et mais pour l'instant, nous, ce qui nous occupe, c'est Gambit Gaming. Ouais, qui pour l'instant ont vraiment bien performé. On a vu des Mouse Esports qui tentent quelques trucs, notamment au niveau de la draft tech. Ça a été un peu cheesy sur la draft. Ils ont laissé le Azir. Ils avaient un plan avec le Malphite et la Vi. Le problème pour eux, c'est que Gambit a mieux joué, et surtout Kabocha, encore une fois. Encore une fois, il a été monstrueux avec son Fizz. Son Ikarim a été très bon également sur la partie présente, mais là, vraiment, son Fizz, il s'est adapté. Il est parti sur un pic qu'il a, il a fait varier ses dégâts vers l'AP face à un Malphite. Il prend Brillance First, honnêtement, et derrière, full AP. Ouais. Ça on voit ta tête, Mirac. Hein. Voilà, parce qu'on a quelques invités, effectivement. Pas de problème. Sur le canapé. Mais c'est pour l'instant les Gambits qui sont largement dominateurs. Ouais. Tout simplement. Ouais. Pas de grosses surprises, franchement c'est ce qu'on s'y attendait. Le BO précédent était beaucoup plus disputé. Avec des SK qui sortent des LCS. À la quasi surprise générale. Et surtout Kikis qui réussit son pari. Allez, revenir en LCS avec notre team. Il est revenu, effectivement. Il a dû revoir Unicorns of Love. Tout le monde s'est dit, ah mon dieu, mais quel est ce choix de sa part. C'était étrange, finalement, c'est une équipe qui pouvait éventuellement aller aux Worlds. Et oui, ils pouvaient les UL. Ils ont eu plusieurs chances. Mais voilà, Kikis qui a décidé de prendre un autre chemin que ses coéquipiers des UL. Et on est de retour en LCS pour le jungler de cette équipe avec l'équipe d'Oslo. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donnera au prochain Spring Peak. Donc d'ores et déjà, on a deux nouvelles équipes tech pour ce Spring Split. Et je suis curieux de voir ce que vont donner les nouvelles têtes dans ces LCSEU. Ça va être assez intéressant, effectivement. Surtout que les Gamers Tour ont montré quand même du très très bon jeu avec du Kha'Zix en jungle, multiplement spam, et qui a fait un très bon travail. Alors si vous avez des questions sur le chat en attendant la phase de draft, allez-y. Nous sommes ouverts à la suggestion. À noter que demain, on commentera donc les BO ou LPL à partir de 14h et non pas de 11h. Voilà. Non, les gens dans le chat qui sont un petit peu en retard. SK n'est plus l'équipe de Ocelot. Ocelot qui a monté donc les Gamers 2 en fait. Voilà, c'est lui qui a monté les Gamers 2. Maintenant, il est coach pour Gamers 2. Et c'est l'équipe qui a rejoint Kikis, les Gamers 2, qui ont battu les SK. Voilà, il faut suivre un petit peu pour ces promotions. Et du coup, on verra Kikis en LCS à nouveau, coaché par Ocelot. Alors, les Worlds commencent quand? Mon Dieu. Eh bien évidemment, le 1er octobre à Paris, ça va être fou. Au Doc Pullman et avec l'équipe au gaming aux commentaires. Qui castera à Paris? Alors, on avait parlé de l'équipe de Kaz, donc on aura Shones, Nono, Zab, Noah, Domingo et moi au cast pour les 8 jours de Worlds à Paris. On va dire. Du coup, on est parti, tech. Game 3, Mouse Esport contre Gambit. Et on banne le GP du côté bleu pour les Mouse Esport. On sait plus quoi faire du côté des Mouse Esport, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont pas envie de jouer le GP parce que ça leur réussit pas trop finalement. Et derrière, on banne le Fizz également. C'est dur, hein. Et malgré tout, on sait que Kabochar, il a énormément de ressources sur sa top lane. Donc il est capable de faire la différence, quoi qu'il se passe. Un ban Elise également contre Diamond Prox, qui a été très bon sur les deux premières Game Tech. Ouais, Diamond Prox qui a fait une excellente performance jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on avait plutôt tendance à jeter un petit peu la pierre contre Diamond Prox, qui n'a pas forcément fait la meilleure fin de split. Mais là, j'avoue qu'il revient à un niveau très correct. Sa Rek'Sai, notamment, est vraiment efficace. On l'a vu hein, sur toute la game, là. C'est vraiment le pick qu'il apprécie. Du tanking, des dégâts,
une grosse mobilité, un petit peu de contrôle, tout ce qu'il aime. Et attention, parce que les Gambits, là, il est sidéré de partir sur un Olaf. Il a été ban, Olaf, sur les deux premières parties. Ouais, et du coup, ce serait plutôt, je pense, Cabochard qui partirait sur ce Olaf, même si ça ne m'étonnerait pas de voir Diamond sortir ce genre de pick. Il fut un temps maintenant révolu, mais il fut un temps où Diamond Proc, c'était le fer de lance de la jungle, celui qui inventait tout ce qui s'y passait. Et il aurait pu, à ce moment-là, sortir des Olaf. Je crois qu'il en a déjà sorti. Jungle ou top, du coup? Ouais. C'est un peu la grande question. Parce que alors, la Lulu n'est pas open. Les Gambits, sur quoi vont-ils décider de se diriger? Le Olaf a été validé par Diamond Prox. Il part avec Ghost pour l'instant. On semblerait se hanter sur ce pick pour le jungler Gambit. Donc ouais, Kalista pour Pinoy. Pourquoi pas? Il aime bien ça, Diamond Prox. T'appuies sur R, tu te mets à courir tout droit pour casser des bouches. Et contre Azir, c'est vraiment un bon pick, Olaf. Ouais, après Azir a quand même l'avantage de pouvoir mettre au moins un wall qui va empêcher le Olaf, même sous ultimate, de passer. Alors que c'est vrai qu'un pick comme Victor, par exemple, lui subit totalement la pression d'un Olaf. Il n'a absolument aucun moyen de l'empêcher d'arriver au corps à corps. Et on va retourner Betsy sur un Victor, justement, on en parlait. Bon, un Nenbully, pas de grosse... Oh! Est-ce que ce serait le Nunu de Ghost du Pepper qui serait là, en train de revenir, potentiellement, sous vos yeux ébahis, dans le chat? Oui, vous aussi, vos yeux ébahis. Et Je suis chaud! Et ce serait potentiellement un Nunu, effectivement. Non, ce sera pas ça. Ce sera le Thresh de Gozu Pepper en support avec Betsy sur son Victor. On a vu un petit moment le TF qui a donné un peu d'espoir. Le Olaf, il passe au travers du wall de Azir. Hein. Sans déconner. Ouais. Sans déconner. Ouais. Mais c'est craqueil. Mais c'est pétail. Bah, c'est pour ça qu'en général, il est justement, c'est un pick qui est choisi justement contre le champion. Et c'est les Fnatic justement qui avait proposé ce genre de stratégie contre des Azir au cours du Summer Split. Ok. Et donc, le Victor, pour Betsy, va jouer le fameux Victor contre Azir du côté de la mid lane. Un Thresh également pour les Gambits, le Thresh Kalista. Oh, ils ont une grosse draft, les Gambits, là-dessus. Et il y a toujours la possibilité de flex pick. Est-ce que ce Olaf sera top ou jungle? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on le voit sur Cabochard, enfin sur Diamond Prox, on se dit d'accord. Ça semblerait être dans la jungle, mais il y a possibilité pour les Gambits de faire un choix différent. Alors, Mozy Sport, donc, Rammus, ok, et un Maokai pour Binzu. Il y a du gros tank hein, chez les Mozy Sport. Effectivement. Grosse frontline pour permettre à Cédrillon et Jinx d'aller frapper un petit peu à distance là-dessus. Brom qui est vraiment très fort, protéger les carries. Et le Rammus qui va permettre de forcer le focus sur un des adversaires des Gambit Gaming. Mais du coup, il y a toujours le risque Olaf qui sera présent, qui va passer et qui va même ignorer tous les gros tanks adverses. Et aussi Sports qui vont devoir le tuer avant tout. Et voilà. On est en train de chercher là. Le pick potentiellement pour Cabochard ou pour Diamond Prox. Les deux sont possibles. Un Mumu? Est-ce qu'on verrait un petit Mumu? Moi j'aime bien Mumu. Je sais que je suis vraiment à Mumu contre la composition des Mozy Sport. Je vois pas trop l'intérêt. J'aurais du mal. Parce que tu vas forcément t'écraser contre la front lane. Donc Larexai. Et du coup, ce serait Olaf top. Ouais, Olaf qui irait au top. Je voyais bien, justement, Shunzi préparer un truc du genre. C'est vrai qu'Olaf contre Maokai, pas vraiment de problème normalement dans le match-up pour le Olaf. Ouais, aucun des deux ne peut se tuer. Et donc un Rammus dans la jungle pour Dan. Intéressant, Rammus dans la jungle, un pic qu'on voit assez peu. C'est pourtant vraiment fort, je trouve. Les contrôles sont énormes, le tanking naturel est très très bon. Et surtout une capacité à forcer des fights, à mettre beaucoup d'AOE en fait, de dégâts sur le long terme. Rammus c'est assez fort là-dessus. Et ne parlons même pas du dive sous tour. Hein. Rammus ça ignore totalement les tours. Genre Nokia ça n'existe pas. À la manière d'une Poppy. Et du coup, intéressant. Les Mozy Sport qui cherchent vraiment des solutions là-dessus. Ils sentent qu'ils sont derrière. Du coup, ils essaient de prendre les picks un petit peu cheesy qu'ils peuvent trouver. Rammus, pourquoi pas.
aller le chercher. C'est vrai que ça peut être bon, notamment contre une Kalista, parce que je pense pas que Kalista puisse se permettre de fuir un Rammus. Ça roule beaucoup trop vite. Ouais, c'est vrai, mais après Rammus, on sait ça peut avoir quelques problèmes lorsqu'il s'agit d'arriver à log des cibles clés. Ouais. Et face à un Thresh qui sera, bah, notamment t'as l'ulti. Il y a la box, ouais, qui va poser beaucoup de soucis. T'as ton flay, t'as ton grab, donc ça fait quand même beaucoup de choses disponibles pour bloquer l'avancée d'un Rammus. Ouais, écoute, j'ai pas vu s'il y avait une purge qui avait été prise du côté des Gambits, mais sincèrement, est-ce que le pic Rammus peut justifier un pic de purge? Je pense que de base, il y a juste le potentiel. Il faut juste empêcher d'arriver au corps à corps du côté des Gambits. Ils ont les pics pour normalement. Ouais. Après, je pense que c'est quand même pas mal, au moins pour le Victor. Qui pique purge, ouais, pour le Victor. Ouais. Mmh. Au moins pour Victor, effectivement. Attends, il fait quoi, Dan? Il joue TP là? Il joue TP sur Rammus, effectivement. TP Smite dans la jungle. Avec un Rammus qui va être en speed push, okay. Horrible. Ils tentent le cheese là, les Mozysport, pour cette troisième game. Ils sentent qu'en game normal, on va dire, ils ont du mal à répliquer aux Gambits. Donc on tente le cheese et les Gambits qui vont invade au niveau 1. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller prendre le red buff de Dan justement? Donc pas de flash. Alors là, pour atteindre les carries, c'est impossible. Ouais, il faudra prendre les home guard, le TP home guard pour arriver vraiment très très vite. Mais malgré ça, bah, tu vas te retrouver voilà, dans la box de Thresh. Juste un bon petit flay qui pourrait complètement cancel toutes tes demandes. Et là-dessus, bah, les Gambits, voilà, ils ont juste pris la vision et vont pouvoir back à nouveau. Effectivement, Dan, on va voir ce qui se passe en teamfight. Je le vois mal réussir à faire son travail de tank. À moins qu'il soit vraiment juste collé à la Oazir ou collé à la Tristana, et dès qu'il y a quelque chose qui vient le chercher, un petit taunt pour essayer d'empêcher, mais le problème c'est que ce qui va venir le chercher, c'est un Olaf qui va juste complètement ignorer le taunt. Ouais. Ou alors tu flanques, mais dans tous les cas les Gambits, s'ils ont un peu de vision, honnêtement, voilà, sans flash, parce que même si tu flanques, honnêtement, le flash est quand même un outil, je trouve, hyper important pour engage. Et les Mouse eSports là qui partent au red buff des Gambits sans pression. Ils sont à 3, Cédrillon, Binsu, Dan. On a également le positionnement de Mountain avec son Braum. Et donc là, Kalista et le Thresh, hein, des Gambits qui vont se positionner du côté de la top lane. Kalista qui essaie ici de freeze un petit peu cette lane là-dessus. Et le style des Mouse eSports qui a été récupéré par les Sentinelles. Du coup, Diamond Prox qui devrait se diriger assez rapidement vers la partie basse de la carte, récupérer au moins un red buff, s'assurer d'avoir deux buffs sur lui pour ne pas perdre trop d'XP et ne pas tomber derrière, tout simplement. On va voir ce qu'il va faire en cette game, Kabocha. Hein. Je suis curieux sur son Olaf là. C'est vraiment le type de champion sur lequel il peut carry. Ah, clairement. On notera qu'il le joue quand même sans soutien d'une Sivir, sans soutien d'une Lulu, bref, sans vrai, véritablement de champion qui peut le buff. Donc il va carry par lui-même, on va dire. Ouais, surtout qu'on est en 5.15, hein, du coup il n'a même pas bénéficié de la plaque de mort pour avoir encore plus de vitesse de déplacement. Du coup, on va voir quels vont être les choix de Kabochar sur ce Olaf. Après, bon, ça reste quand même un pic qui est très très fort, hein, je trouve Olaf vraiment vraiment puissant. Mountain ici qui met 2 stacks de passif, 3 stacks de passif sur le Thresh de Gozu Pepper. On met un petit grab sur Mountain, mais bon, il a le shield, il va pouvoir tanker facilement. Et les trails qui sont pour l'instant à l'avantage des Mouse eSports. Ou le dive. Le TP de Dan. Kabochar met quelques dégâts également. Kabochar. Dan qui voulait aller chercher un taunt là, on le sentait. Ouais, effectivement. Mais du coup, ça force un TP sur le jungler. Bon, après, il n'en a pas forcément besoin très tôt dans la partie, vu qu'il n'a pas besoin pour retourner en lane. Mais c'est une bonne information à récupérer pour les Gambits là-dessus. Ils savent que le jungler des Mouse eSports est en top side et qu'il ne mourra pas de TP pour rejoindre la partie. Et du coup, voilà, ça ouvre potentiellement un gank sur Jinx qui va s'avancer ici pour prendre ce petit creep. Et le Olaf, hein, le Olaf de Kabochar qui a hérité du blue buff, quelque chose d'assez commun finalement, puisqu'ils l'ont fait sur la partie précédente. Les Gambits flash out de la part de Binsu. Dan qui se retourne sur Kabochar. Kabochar sous le ton. Kabochar en danger là-dessus. Kabochar qui va pouvoir s'escape. Finalement, il va revenir là pour mettre un peu de race. Attention à la présence de Diamond Prox également.
Il y a une ward pour les Mouse eSports ici, Diamond Prox, le tunnel, on tente le sondeur là-dessus. Et les Mouse eSports qui sont mis en danger quand même sur cette bot lane. Ils n'arrivent pas à tuer à deux la caboche. Ouais, cabochard ici qui a failli prendre un kill à 2v1, voire même deux kills. Ici, Dan qui a pris beaucoup de dégâts. Il n'avait pas son Z activé malheureusement au moment où il a pu taunt. Là-dessus, ça fait mal. Ouh, la touche. Oh, ils ont l'air bouillants quand même, les Gambits. Ce serait risqué, honnêtement, non. C'est quand même Maokai Ramus, quoi. Il y a trop de contrôle, en fait. Quoique, Binsu, il suffirait d'un Q-spell et d'un E du Olaf et tu tues. Après, il a le passif. Hein. Attention, Larixai, regarde Larixai, Larixai. Il attendait son heure, Diamond Prox, en véritable rôdeur, en opportuniste. Diamond Prox qui sécurise le First Blood et qui revient vraiment à un très gros niveau, je trouve, dans ce BO. On a de nouveau un Diamond Prox conquérant qui fait beaucoup d'efforts pour aller justement tuer l'adversaire. Ouais, vraiment apporté. Et qui est assez juste hein, dans ses choix. Franchement, ouais, la vision de jeu ici était très bonne. Il a compris que Ramus était resté au bot et qu'il allait un petit peu empêcher son Soleilner de farmer. Et du coup, ici, la réaction est très juste. En plus, on force le flash sur le Maokai. Contre un flash d'un jungler, il vaut mieux avoir un flash sur un laner, évidemment, pour éviter les ganks. Tandis que ça force le First Blood. Et surtout, Cabochard, lui, a réussi à avoir l'assistance. Juste à temps. Et les Gambits, ils ont des lanes très très safe quand même, Tech. Et ça va leur permettre de tenir tranquillement en licence. Tandis que Diamond Prox décidera peut-être de porter son offensive encore une fois sur le bot side de la map. Avec ce Maokai sans flash. Il y a vraiment quelque chose à faire pour les Gambits encore. Ils pourraient y aller après, à moins qu'ils se dirigent plutôt. Pas mal de joueurs de Mouse eSport ici qui allaient en topside. Non, ce serait juste pour prendre un petit peu de contrôle. Et Cabochard qui continue. Voilà, à mettre des déchireuses, à Arras Binzu au maximum. Binzu qui n'arrive pas à s'avancer près de ses creeps. Ça fait un nouveau. Non, ça m'a été l'acide. Celui-ci au navet. Ça sécurise quand même au moins un creep catapulte. Et du coup, pas mal d'argent. Elle est bien, 47 CS contre 24. Encore une fois, Binzu est totalement pris au dépourvu sur sa lane. Il faut dire que Gambit met quand même beaucoup de ressources dans le snowball de Cabochard. Le Blue Buff qui est donné deux games d'affilée. Je me souviens plus sur la première game, mais il ne me semble pas qu'il ait été offert à Cabochard. En tout cas, sur le Fizz, sur la partie précédente, c'était le cas. Ouais. Et là, encore une fois, avec le Olaf. Et Cabochard qui revient donc avec Gemme Exaltante pour le Arras à la déchireuse. Et on le sent, le Maokai qui galère, hein. Il a pris un deuxième out d'Oran. Et Diamond Prox qui insiste sur cette bot lane, logique, totalement logique ce qui nous fait là le vétéran russe. Ouais, mais cette fois il est vu par contre, il y avait un AV dans le tribush. Du coup il va attendre de voir s'il peut repérer Dan. Dan qui est vu. Ouais, Dan on le voit là du côté des Gambits. Ouais, ça y est. Et Cabochard qui zone également. Regardez le Maokai. Le Maokai il est de l'autre côté de la tour. Et Cabochard qui vient proxy. Et les deux joueurs Gambit ils savent très bien qu'ils ont le dessus dans le 2v2. Effectivement, surtout que Cabochard lui est passé niveau 6, du coup il n'a plus du tout peur du niveau taunt 7 de, même. Ouais, il a au moins il a son ultimate quoi. Et du coup il n'a plus du tout peur du taunt de Ramus. Oh le proxy qui permet au Gambit de décaler sur ce dragon. Et à ce moment là on a un TP back de la Diolene Gambit. Regarde, les Gambit qui TP au moment. Enfin la Diolene qui TP au moment où ils font le dragon et qui va aller reprendre peut-être le bot. Quel va être leur choix là? Pour l'instant, Tresh qui ils vont retourner au top, donc rien à voir finalement. Ouais, on fera pas de mouvement à ce niveau-là. Non, finalement, je pense que Cabochard il est très content de. Pour l'instant, là où le Maokai ira, il ira. Effectivement, pour le 1v1, il est ravi de cet état de fait, ce petit Cabochard. Et du coup, les Gambits pour l'instant, qui s'appuient vraiment beaucoup sur le niveau de jeu de leur Soleilner. On voit un Diamond Prox qui utilise au maximum l'avantage donné par le Olaf contre le Maokai. Pour vraiment mettre une grosse pression. Et les Gambits ici, qui encore une fois jambonnent totalement les Mouse eSports. On force juste, comme tu le disais, un petit proxy. Du coup, on lock le Maokai sous tour. Et derrière, ça fait un Drake gratos. Sans même utiliser les ressources de la Diolene qui permet de farmer en continu. Ici, 10 creeps d'avance sur cette Kalista en 2v2. Vraiment toutes les lanes Mouse eSports qui sont perdantes. Et on va contrer là dans la jungle du côté des Mouse eSports, Dan avec son Ramus. Niveau 5 pour l'instant, est-ce qu'il passe niveau 6 là-dessus? Je pense que oui, à moins que Diamond Prox. Il est toujours pas niveau 6, Dan. Il est toujours pas niveau 6. Les Gambits qui prennent le trade. Dan dans la mêlée, le burst de la part de Betsy. Dan va tomber sous les coups des Gambits d'Aimin. Le TP de Binsu, mais isolé maintenant. C'est late en termes de timing pour les Mouse eSports. Certes, Binsu récupère un kill sur Gozu Paper. Mais derrière, on a 3 morts.
chez ces Mouse eSports. Les Gambits sont en train de se balader, ouais. Tech. Ouais, effectivement. Et pendant ce temps, Cabochère qui empêchait complètement les Mouse eSports, de rejoindre leurs alliés là-dessus. On a vu un Jinx qui a été forcé back par le ghost du Olaf qui n'a même pas eu besoin d'utiliser le Ragnarok. Oh, contre, le dive, le bureau avec le burst de Betsy. What the fuck, la partition impériale, ouais. Bon. Dans le mur. Il a un petit peu paniqué là-dessus, Jinx. Malheureusement, il s'attendait peut-être à un flash. Il devait s'attendre à un flash, je pense, de Betsy. Ouais, peut-être, effectivement. Mais là, du coup, ça force à nouveau le TP de Dan, qui ne sera pas efficient. Et du coup, ça ralentit encore l'efficacité de ce jungler. Le Rammus, pour l'instant, qui ne pèse pas du tout dans la partie. Là où Diamond Prox est vraiment complètement dominateur. Oh, les CS en plus. Cabochard en moyenne 22 CS d'avance à 10 minutes de jeu, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et à chaque fois, on a un Binsu qui galère. Là, il est même à 32 CS d'avance à 10 minutes de jeu, c'est-à-dire une montagne de CS. 30 CS, c'est quasiment 2 kills. C'est vraiment c'est le snowball, le début du snowball de la caboche. Surtout que si cette... ça va être compliqué, hein. Si ce Olaf est bien, il n'aura pas besoin du support d'une Lulu ou d'une Sivir. Non, non. Il va de toute façon foncer tout droit et découper des bouches. Du coup, les Mouse eSports vont avoir des teamfights très compliqués là-dessus. Pendant ce temps, Lupina, il montre en puissance tranquillement. Il y a une Kalista. Du coup, il va pouvoir aussi déployer le DPS tranquillement là-dessus. Et cause du Pepper ici qui tente de mettre un peu... Ou le fait qu'il touche les deux joueurs là-dessus, du coup, ça force. Cédrillon à jump out, midlife sur le Pinoy qui domine, hein. Pinoy qui domine, là son duel avec sa Kalista, attention Cabochard pour le chase sur Binsu, Cabochard qui enchaîne les chireuses, Cabochard, il a pris l'agro la tour, Diamond Prox présent également, Dan était là en backup, et regardez les grabs du Prince Tresh là qui touche également, Mountain, un ultimate, Cédrillon qui va rentrer dedans, Pinoy se repositionne, l'ulti la Kalista, le knock-up, on va stopper l'offensive de Cédrillon derrière Pinoy qui essaie de mettre des gars, le flash de Cédrillon qui va récupérer le kill, Gozu Pepper, c'est également par ce passif de Brom et Gozu. Gozu qui va tomber là, quoique, un flash pour tenter de s'escape, la box du Thresh de Gozu Pepper, il y a un Zir normalement, Jinx. Elle arrive un peu tard la box et Gozu Pepper qui va tenter de mourir le plus tôt possible, voilà, ne pas donner d'argent au carry adverse. Et c'est le Brom qui va récupérer le kill avec l'assistance de cette Tristana là-dessus. Bon trade de la part des Mouse eSports. Dommage que Gozu Pepper n'ait pas pu mettre son ultimate plus tôt. Est-ce qu'il l'avait? Il l'avait pas. Il l'avait pas encore, malheureusement. Et le grab touche là-dessus, mais bon, c'est dangereux, c'est sous tour. Et puis Mountain, là, il sent l'occasion, hop. C'est lui qui met le heal directement pour être au maximum full HP. L'ultimate est bien tenté, bien timé pour cancel l'attaque de Cédrillon et l'ultimate... de la Tristana qui permet de burst cette pauvre Kalista. Bah, ils sont bien là, les Gambits. Ça fait au moins une petite malgré victoire tout, pour les Mouse eSports. Malgré tout, ouais, c'est vrai, mais bon, là, ce kill qui va à Mountain. Certes, la Tristana en récupère un quand même. Je pense que Gambit est tout de même extrêmement bien lancé dans sa partie. Ouais, parce que regarde le farming, hein. Malgré le kill récupéré, cette Kalista reste. 15 creeps devant. Ouais, et Cabochard se balade toujours autant dans cette game. Elle a un peu loupé la première ward là du côté des Gambits. Gozu Pepper, on tente le grab sur Binsu, on le réussit même, il va pas le réactiver. On se contente d'aller chercher la T1. Et au bot, le Olaf qui va continuer à se balader et à crush sa lane en 1v1. Sachant que sincèrement, pour le tuer du côté des Mouse eSports, maintenant comment tu fais? Bah c'est compliqué, hein, surtout que là il est parti. Black Cleaver First, du coup, énormément de dégâts avec le coup près noir qui va permettre à Olaf d'aller chercher n'importe qui en 1v1 à coup de déchireuse. Tu mets une déchireuse, ça fait un stack de coup près noir, une auto-attaque, une déchireuse au fur et à mesure. Ça va retirer complètement l'armure d'Anissi qui prend un grab. Mais bon, ça va aller. Mountain qui va dash pour le protéger et ça va être sécurisé ce blue buff pour les Mouse eSports là-dessus. Jinx, qui va pouvoir le récupérer. Entends ceci, attention, Gamon Prox, est-ce qu'il a essayé de couper la rotation potentiellement? Il a son midliner pas loin, Betsy qui pourrait mettre une grosse phase de burst. On voit les dégâts du rayon, déjà. Il fait mal, Betsy, il fait vraiment mal. Il a son exter coq, son corps exter, pardon, V2 avec la grosse baguette. Voilà, la baguette même qui est trop grosse, évidemment. Dan ici qui va chase sur Gamon Prox, mais pas encore assez de vitesse sur le Ramus. Ce Ramus est pas forcément hyper convaincant pour l'instant.
Il n'arrive pas à trouver sa place, clairement. Non, mais attendons de voir si éventuellement son TP peut être utilisé à bon escient. Mais là, c'est vrai qu'il faudrait compléter des boots. Mais il n'est pas... On tanque pas énormément encore hein, du côté de Dan. Du coup, on va essayer de compenser ici. Se consoler avec un Drake. Pourquoi pas? Attention, on est dans l'usure. La bonne boxe, il a trompé. Oh, le burst de Betsy là-dessus. Ginch n'est pas loin de tomber. Regardez, regardez le requin qui remonte des profondeurs de la map. Cabochard est en train d'arriver. Il y a du Lolaf. Du low life, pardon, Cabochard, il est lancé. Un premier kill, et on enchaîne. Dan dans la mêlée, mais Betsy met d'énormes dégâts. Cédrillon qui tente de s'escape. Double kill en faveur de Cabochard. Et ce dragon va pouvoir être récupéré par les Gambit Gaming. Ah, ça touche. La touche, la frappe là-dessus. Gozu qui a voulu prendre le kill, je pense. 4 morts chez le Mouse Esport. Et on va pouvoir sécuriser ce Drake. Je pense que c'est game over, Tech. Ça va être compliqué, effectivement, on est à 6 kagol même d'avance, à 15 minutes de jeu, et ça va encore s'agrandir cet écart au gold, voilà, par récupérer cette T2 mid avant les 20 minutes de jeu, prendre une T2, ça annonce vraiment, vraiment la détresse d'une équipe, et là c'est les Mouse Esport hein, qui sont vraiment je regarde leur caméra, ouais, on sent que, ouais, ils ont bien compris que c'était fini, que les LCS ce sera pas pour eux. Ouais. Ouh, Cabochard. Pour la prochaine saison, Cabochard. Et c'est le pauvre Cabochard à nouveau. Cabochard qui est lancé. Cabochard qui est lancé là-dessus. Encore une déchireuse qui touche. Vinzu qui va tenter de temporiser sur l'arrivée de Pinoy. Et Dan, l'intervention peut-être du jungler Mouse Esport. Non, non, non. Le Ramus, non, finalement. Gambit, mais quelle avance générée dans cette early game, Tech. Ouais, les Gambit qui sont vraiment en grande maîtrise de la partie. 2-0-1 sur le Soliner, 2-0-5 sur Diamond Prof qui fait une game incroyable, 2-0-5 sur Betty qui a vraiment pu bénéficier de tous les avantages de sa team. Ouh, Cabochard qui met l'ultimate, là-dessus il va aller partir directement sur le 1v1 contre Binzu, beaucoup de dégâts placés pour l'instant, et l'avantage c'est que les frappes brutales en dégâts bruts de Cabochard ne sont pas réduits par l'ultimate de Binzu, du coup beaucoup moins de tanking potentiel pour ce pauvre Maokai qui n'a que 2000 HP pour l'instant, c'est pas beaucoup, c'est vraiment vraiment peu. C'est la galère hein, du côté de Binzu, on n'est pas vraiment enraciné dans cette game pour l'instant. Et c'est vrai que Cabochard fait la loi. Et Demon Prox encore une fois, très bon early game, très présent sur la lane de son coéquipier. Ouais. Et derrière, la Caboche qui, dans son style le plus pur, a su mettre en place le snowball dans la partie. Demon Prox, on sent vraiment à l'aise quand il arrive à avoir des laners très forts. Sur lesquels en fait il peut s'appuyer et du coup ça lui permet d'être agressif dans la game et vraiment d'aller appuyer là où ça fait mal. Du coup, attention, attention Betty le kill en 1v1 et le kill en 1v1 pris par Betty là-dessus. Aïe. Les Mouse Esport qui sont vraiment complètement perdus dans cette partie. Ils n'arrivent plus à savoir où donner de la tête. Et Diamond Prox est toujours en position très agressive, assez avancée là-dessus. Il va pouvoir aider Pinoy à push 7-T2. Attention, Pinoy quand même va pas se rattraper, ça reste un Ramus. Ouais, Dan qui même s'il voulait se lancer honnêtement, voilà, regardez les Gambits qui sont en train de faire du côté de la mid lane. On tente le grab pour le Prince Thresh, Mountain, le Frostbite sur Gozu Pepper, un ultimate également, la box de Gozu Pepper et Diamond Prox il a pas peur. Il est en front lane, il a peur de rien, Diamond Prox, on tempo, jusque quand ça ne suffira pas et Diamond Prox va tomber, mais le Olaf de Cabochard a récupéré un kill également sur Mountain. Ouais, on a trahi le jungler contre le support, du coup c'est quand même plutôt à l'avantage des Mouse Esport là-dessus. Mais ce n'est pas ce genre de petit trade qui va leur permettre de remonter dans la partie là-dessus. On voit un Ginch qui essaye de défendre au maximum. Mais les rotations Gambit sont quand même assez bonnes. On gratte les... Ouh, Cendrillon, il a pris une hache là-dessus. Il était pas mal slow, mais il avait encore son rocket jump pour s'enfuir. Et Cabochard qui continue à mettre une grosse, grosse pression. Moi qui se frappé par Dan là-dessus. Dan qui va tenter d'aller sur la Caboche qui met une bonne déchireuse. On empêche le Ramus d'avancer. Serein. Sans aucun souci. Serein, le Frenchie des Gambits. Et le Baron Nashor qui va bientôt pop dans la game Tech. Ouais, 20 minutes de jeu, hein, le pop du premier Nashor. Là-dessus. Nashor, pardon. Les Gambits qui vont. Qui vont même pas besoin, je pense, de le rusher là-dessus. Ils n'ont pas besoin de cheese, de quoi que ce soit. Ils sont largement devant et ils peuvent continuer à mettre une grosse, grosse pression. On voit un Pinoy ici qui est juste aidé de ses sentinelles pour avoir le maximum de map control, continuer à push en le côté bot side. Là-dessus, le back de Cabochard qui devrait finir potentiellement une mal mortue, je pense. C'est ce qui pourrait ressortir. À moins qu'il ait envie de partir
qu'est-ce qu'il pourrait faire remarquer un Olaf en 4.15? Qu'est-ce qu'il va faire comme item? On peut partir sur X-Drinker. Hein. Ouais, c'est ça, je pense que ce sera le X-Drinker. Ouais. A priori. Il a back, il arrive à acheter. Non, il a pas back. Pas pour moi, il a pas son back. Pas encore. J'étais en train de chercher sur la mini-carte, je ne le trouvais pas. On va voir Cabochard donc qui est lancé sur cette top lane, la présence de Diamond Prox. Le feu follet qui révèle la présence du jungler des Gambits, tandis que les trois autres joueurs mettent la pression à côté du bot. Dan, en bot de doux foyer, là, tout de suite repoussé par le Azir. Et flash out de Binzu. Il aura rien pu faire dans ce BO Binzu. Ça aurait été une longue traversée du désert pour lui. Ouais, il a eu du mal. Hein. Il n'a jamais pu se mettre en situation, quel que soit son pic. Bah, contre Cabochard, c'est vraiment pas évident là-dessus. Le 1v1 est compliqué, et même sur les swap lane. Les Gambits arrivent toujours Dan. À mieux gérer. Attention Dan qui se fait complètement stopper là-dessus. Et le burst de Betsy. Mountain s'en sort rien du tout. Non, l'arrivée de Diamond Prox. Un premier bureau, double kill en faveur de Diamond Prox. Et on enchaîne le dive, la partition impériale. Cause du Pepper s'était envolé. Et le triple kill en faveur de la Rek'Sai. Pinoy qui conclura là-dessus pour les Gambits. Rideau, Mouse Sport n'avait pas le niveau pour aller chercher les Gambits dans ce match de promotion. Les Gambits qui devraient pouvoir même presque finir la partie là-dessus. Bon, peut-être pas, hein. On a quand même que 15 secondes de respawn, on est encore tôt dans la partie. Ils vont sécuriser cette T3 au bot et peut-être même l'inhibiteur là-dessus. Alors attention, pas trop rester non plus. Ne pas se focaliser trop longtemps sur un objectif. Et non, ce sera pas pris, voilà, ils ont décidé de back. C'était la bonne solution là-dessus. Diamond Prox, attention, Diamond Prox qui est slow. Ici on met l'ultimate pour essayer de tuer le jungler des Gambit Gaming qui va tomber sous les coups de Cédrillon. Betsy qui met de lourds dégâts. Cédrillon a posé la bombe et il ne poursuivra pas sur son offensive là-dessus. Les Gambit qui vont pouvoir se replier sur cette bot lane tech. Certes, ils ne prennent pas l'inhibiteur, mais... Et ce n'est que partie remise tout simplement. On n'est qu'à 21 minutes de jeu, hein. Et on voit les Gambit qui sont encore bien avancés sur la carte. Leur map control est juste partout. Ils ont la vision sur tout ce qui est en bas de la jungle des Mouse Sport. Tandis que toutes les lanes sont enfoncées. Ils vont pouvoir push à n'importe quel moment là-dessus. Cabochard qui va continuer son speed push infernal. Le 1v1 est juste intenable. Il se balade, Cabochard. Ah, il fait GA. Ok. Il fait GA. Ça, c'est les réminiscences du vieux style Gambit. À l'époque où ils faisaient tous Guardian Angel en deuxième item. Une époque bénie, hein, où le Corki de Genja, avec sa Trinité et son, c'est mieux et Ravana, son GA. Non, Trinité GA. Trinité GA, le Corki de, c'est de sur Ash, Genja. Sur Ash, il faisait mieux Ravana. Ouais. Mais effectivement, ouais, la belle époque des Gambits là-dessus. Et du coup, bah, sans aucun souci, on va pouvoir sécuriser le Baron Nashor, avec la Kalista. Ça va très très vite. Beaucoup de lances positionnées et Diamond Prox qui tank. Il a un rendu, il a un Cinder Hulk. Et là-dessus, ça va aller très vite. Voilà, le Nashor qui est tombé. Du coup, les Gambits qui vont pouvoir progresser le long de cette carte. Ça va être donné à Victor, ce blue buff. Et Cabochard qui va continuer. Voilà, il a un buff Nashor maintenant. Du coup, il est encore plus pénible avec tous ses creeps largement trop buffés. Il va avancer, papala, je prends cette vague, je prends la suivante. Tous les creeps vont arriver un peu plus tard. Diamond Prox qui a back ici, il a pu sécuriser un petit peu de vision. Et ils vont s'avancer maintenant les Gambits tech. Ouais, et porter le coup final à ces Mouse Sport. Pourrait dive là quasiment, hein, je pense. Les Gambits potentiellement. Ah. Bonjour Shunzi. Shunzi qui a l'air ravi et qui peut être effectivement ravi. Il prend des notes. Il y a de quoi, honnêtement, l'équipe a proposé une très belle prestation. Je crois que vraiment Diamond Prox et Cabochard ont été les deux gros artisans. Betsy a été très très bon. La duo lane, il y a eu des plus des moins, mais je dirais que dans l'ensemble quand même on a eu un Gozzy Pepper qui a été très très bon. Puis Noy, ça dépend. Ils sont morts en 2v2, ouais. C'est peut-être la faiblesse ici des Gambits là-dessus, c'est que leur duo lane effectivement est mort en 2v2. C'était quand même dans des positions où ils étaient très agressifs, vraiment à la mode Gozu Pepper. On essaie de mettre le plus de pression possible sur l'adversaire. Après, on connaît aussi la duo lane. Attention. Oh, les dégâts. Dan qui est lancé. Flay. Eh oui, et tu peux rien plus faire. Ça sert à rien. Dan qui va mourir là-dessus. Dans ces cas-là, Dan qui va tomber. Et le pic Ramus qui est à remiser au placard, je pense. Ouais, on ne verra pas au moins de Ramus en solo queue.
vu qu'il n'a pas gagné. Et on sait très bien que le joueur de solo queue ne joue que ce qu'il gagne en LCS. Évidemment, il faut copier les pros sans vraiment réfléchir à pourquoi ils l'ont fait. C'est vraiment la meilleure technique. Hein. Pour le coup, comme t'as raison, on devrait pas en voir. Alors Gambit qui poursuit là sur son offensive. Il reste un dernier inhibiteur à sécuriser. Et ça ils vont y aller. Mousy Sport ne répond pas. Mousy Sport est résigné. Mountain va tomber là. Et on enchaîne. Cabochard, allez, sur Cédrillon. S'en fiche. Il a un GA au pire. Le petit Cabochard. Dan. Le flanc de Dan. Non, la retraite de Dan. Il a vu qu'il y avait un viking énervé qui lui fonçait dessus. Et du coup, il a fait finalement, avec ma petite boule de métal, non, je ne vais pas y aller. Ouais. Et le troisième inhibiteur qui va tomber pour mauvais, les grands bits là-dessus. Plan. Et ça va finir la game tranquillement au rythme des auto-attaques placées par Pinoy sur ses tours. Voilà, blam, blam, blam. Ça va tomber, tous les bâtiments. Ah voilà, ouh. Cabochard, l'âme de la déesse de nouveau. Il a tenu quand même à TP back et à revenir avec son TP. C'était et important. Avec sa larme de la DS. C'était important. 3-0 Gambit Gaming. Une leçon infligée à ces Mousy Sports qui n'avaient pas le niveau et la maturité pour arriver en LCS face à ces Gambits. Ouais, ils leur ont expliqué. Alors voilà, pour jouer en LCS, il faut nous battre. Vous faites ramonner et du coup, vous ne pouvez pas aller en LCS. Et je pense que les Mousy Sports vont devoir encore un peu plus s'entraîner potentiellement pour le prochain split peut-être. Mais pas cette fois-là. Espérons qu'ils vont continuer dans ce sens, hein, essayer de de faire la différence et persévérer dans leur optique de monter en LCSEU. Du coup, c'est la fin de cette journée de Stream Tech. Comme je vous le disais, on se retrouve demain à 14h pour la LPL en différé. Et il y a du stream actuellement, il y a les Pain Gaming qui sont en train de jouer contre les KLG et Pain, semblant très très bonne situation dans ce BO pour l'instant. Le 2-0 se profile, j'ai l'impression, Tech. Ça pourrait être très intéressant de voir Pain Gaming, du coup, au Worlds, en tout cas au Doc Pullman. Ouais. Et nous, du coup, on va vous laisser, on va vous mettre une petite session de rediffusion. Et écoutez, vous souhaitez un bon samedi soir. Ouais.